nous avons le temps de nous avons le temps de où sont là tout à l'heure. Louko Désir. Louko Désir, depuis 11 semaines, depuis lui mettez mon en attente son question information. Selon Louko Désir, animateur émission Matin Débat, il y a 7 sénateurs, 13 députés que Dieu vient chercher ou bien chercher. Le Dieu a mission annoncé, il y a 3 mandats qui a été à la pour 3 sénateurs. Guéry Henry, Bay Lucner Désir, Di Louko Désir, 72 pour le citer non nèg, non sénateur dans Drogio, ou bien 3 nèg sa yo qui gen mandat. Parce que l'on gen information, ou informe moun, faut ka clair sou sou abdi. Louko Désir gen 72, moi ba monsieur 72 pour di ki sénateur sa yo. Parce que l'auditeur tout par exemple ou a analysé ou gain des informations, information pas gain langue de bois là dans les cachets maguette vient avec non, c'est 10 ou a dit. Louko Désir gen 72 pour faire ça. Et si dans 72 monsieur pas fait ça, nous même n'a pas annoncé ça gain. Kimbi, par exemple, tout ton pays, etc. Et 7 sénateurs, 13, etc. 72, monsieur Gagné. Le coup, on a besoin de relais. On a besoin de relais, on a un espace pour, on a parlé, souvelé. On a besoin de relais, parce que là, c'est pas ça, on a besoin de relais. On a 72 pour citer nom sénateur. Ou dit, il y a un mandat de 13 députés ont dit que, yo brale di ye vinde. Sou pa fè sa, ou gen jusqu'à jeudi. Aujourd'hui on est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Jeudi soit n'ap di moun yo. Mais ça gagne. Parce que en général, espace là large, mais moi même comme journaliste, on bon note comme journaliste n'a pas suivi information malgré toute information. Ou gen 72 jeudi dans émission animée 10h 1h pays aptan non moun yo parce que ou dou gen information. Et puis jeudi soir, on a orienté la population côté Napmenel. Wilson Lalo, c'était invité Alex Saint-Surin. Nous allons écouter Wilson Lalo. Il y a des bagages que monsieur dit. Il y a des bagages qui étaient cachés. Que nous allons entendre là. Je vais m'inviter dans le. Et puis, on a compris comment la politique fait en Haïti. Wilson Lalo. Pour faire introduction, poser 1000 questions en même temps. Je vous remercie vraiment parce que moi-même, je suis vieil habitué de l'émission avec vous, mais ça fait un petit bout de temps que je ne parle pas de l'émission. Je profite également pour me saluer et tout auditeur et qui sans doute a un bout de temps pour attendre sur la radio. Je suis surpris que je ne parle pas de la radio finalement parce que je me fais un. On prend vacances de parler dans la radio depuis un petit bout de temps que moi, justement, chef de cabinet du président de la République. Et bon, le chef de cabinet du président de la République, c'est lui-même qui prépare l'agenda président de la République, là. Ça veut dire toute bagaille. Ça veut dire, c'est lui-même qui, assure le sac pour arriver sous président. Eh ben, il faut le faire, faut le tamiser, lui. Et puis ensuite, donc, c'est lui-même tout qui, préparait ordre du jour, d'activité. Et qui gagne pour fête autour du président. Naturellement, c'est pas lui-même qui est impliqué dans le conseil des ministres. Il va valider,
on dit il valide agenda conseil des ministres, mais c'est pas lui-même qui fait agenda conseil des ministres. Il est secrétaire général du conseil des ministres, qui lui-même gagne fonction ça. Mais tout bas qui concerne les présidents, il passe par le chef de cabinet du président de la République. Mais ça me dit là, c'est dans la forme. Parce qu'un président de la République, il gagne liberté de tout. Des fois, il y a un débat avec le fait que il n'est pas obligé forcément passer par le chef de cabinet. Mais il va de soi que le chef de cabinet lui-même, il gagne agenda pâle pour l'occuper de toute correspondance qui est adressée à président. C'est lui pour répondre à toute correspondance qui est adressée à président. C'est lui qui pour préparer, ça me saute de là, l'agenda de travail président au quotidien. Et, il gagne pour participer dans réunion, certaines réunions privées que le président lui-même décidait, et qui pas très privé pour lui-même seulement. Donc, le ça, il est obligé de participer, c'est pour faire contrainte d'une réunion, ça, et qui pour assurer faire suivi de décisions que le président prend. Donc, en fait, chef de cabinet à la gérer, et le directeur de cabinet gère, et le domaine qui intéresse le président de la République. Et puis, évidemment, son poste est important, qui loue en Haïti, là, pratiquement. Son poste qui est extrêmement important, mais son poste qui est ingrat, parce que, remarquez, le président fait un bon bagage. Tout le monde dit, bon, président bien fait. Le président font préparer, c'est chef cabinet qui le fait. Donc, c'est assez. Le président est mineur. Le président est mineur. Donc, c'est extrêmement difficile comme pas. Donc, faut veiller tout le temps. Même conseil de l'autre monde par le président, faut ou même, parce que, ou tributaire de ça qui va le passer, que l'autre monde par le président, ou l'autre conseil président font l'autre bagaille, quelque part responsable, des fois, même sous beaucoup. Oui. Donc, j'ai toute question ça. Alors, bon question, c'est l'affaire Petro-Caribé. Un pile monde non cité, l'on série de bagaille. Quid de tout ça exactement? Est-ce que, interview par un journal où t'es parlé, où t'es fait un commentaire à savoir que gain peut-être une façon à gestion mais il n'y a pas eu de vol, du moins c'est pas le moyen pour prouver vol. Mais en pile monde, le grand public dit que grand pile vol qui fait la Petro-Caribé. Alex, moi j'ai cette émission, ça vous remarquez, ça fait longtemps que je ne parle pas dans la radio, et où je suis venu, c'est pour une fois dans la diaspora. Non, alors, il faut me dire que je fais une émission sur question Petro-Caribé, me répondre sur ça même. Parce que vous remarquez que là, on a parlé de vol, donc on a parlé de questions morales d'abord, avant que nous parlions de problèmes de responsabilité d'un individu par rapport à la collectivité, des questions morales. Ça veut dire que il a attaqué mon côté, ça fait mal. Et là, on dit que ou participer dans un vol, ou bien ou entrer dans une sorte d'association de malfaiteurs, ou faire des bagailles qui ou avoir abusé la société. Pour me t'a répondre aux questions de manière précise, faut que moi t'a douce avec Petro-Caribé. Parce que souvent, moi n'a parlé par contre de qui ça parlait. Petro-Caribé, c'est d'abord une convention, un accord, qui depuis son, t'es un premier accord de San José, on connaît, que des pays dans la région étaient là-dedans, l'Haïti pas là-dedans, mais qui était bail bénéfice d'accès à produits pétroliers à bon marché, à meilleur marché, que sous marché mondial. Ouvert là. Et avec l'avènement de président Chavez au pouvoir, il changeait bah ça vin tourner une sorte de accord Petro-Caribé. Accord Petro-Caribé, ça impliquait plusieurs pays Caraïbes et Amérique centrale qui joignent accès à des produits et de à meilleur prix, parce qu'on connaît Venezuela, c'est un des plus gros producteurs de produits pétroliers et dans le monde, pas seulement dans la région mais dans le monde. Maintenant, à quoi ça, suivant à quoi ça, Venezuela a accepté pour les vendre pays ça au gaz, ça n'a pas besoin de payer directement, parce qu'on a facture pétrolière là, elle est lourde. Donc, pays n'a pas obligé de payer directement au premier coup. Donc, il y a deux composantes dans le prix. Là, on vend un baril de pétrole, on suppose qu'on vend pour $100. Il y a deux composantes là-dedans. Il y a une composante pour payer à court terme. Ça, on paye à court terme là, on va jusqu'à 30 jours pour payer. Et puis, après ça, on a une partie qui est long terme. Long terme, on va payer jusqu'à 25 ans. Maintenant, si prix baril là très haut, eh bien pourcentage va payer là plus bas. Et si prix baril là très bas, pourcentage va payer plus haut. Par exemple, si vous vend un gallon un baril de pétrole à $30, vous gagnez gain pour payer peut-être 70% de prix immédiatement. Mais si prix à $100, vous gagnez peut-être $30 qu'on paye immédiatement. Et puis reste à payer là un taux d'intérêt bonifié concessionnel sous 25 ans. Et ça vient de faire que comme qu'on gagne sous 25 ans ça, il rentre dans le fond. Ça, c'est un fonds, et qui est géré par une institution que les Bureau de modernisation de l'aide publique au développement, BMPAD. C'est lui-même qui a acheté gaz pour tout le pays, et qui remet les bails distributeurs, ok? Donc, le, on est importateur de produits pétroliers, c'est pas au cas où le marché va l'acheter directement, ou fait commande auprès de BMPAD, qui lui-même placé le bout. Et BMPAD lui-même lui remet au produit ça, et vous payez BMPAD. Quand on a encore payé BMPAD, là, on partit de Venezuela, donc partie de court terme, là, et partie de long terme, là, vous mettez le long pot en dans banque centrale.
pour ça là-dedans gon parti là-dedans il prend ou fait résolution chaque année pour dire par exemple chaque ministère travaux publics éducation nationale santé publique agriculture il y a des projets au besoin faire il y a liste projet yo, et maintenant dépendant de disponibilité l'état il doit dire bon nous prenons le prendre en fond ça et là on prend en fond ça au fond liste de projets que on dit bon par exemple besoin faire en route besoin curer combien rivières besoin acheter combien semences agricoles etc etc chaque ministère dit qui ça voulait faire dépendant de quantité comme que font rien là-dedans et bien on liste les projets ça il prend montant et montant ça ils font résolution avec lui et puis conseil des ministres réunis sous lui ils valident liste de projets ça ensuite d'abord c'est premier ministre avec ministère concerné qui valide chaque projet là au final ils font résolution ils portent le conseil des ministres devant président et que connaît le président d'accord tout et puis tout ministre et puis ça sont résolutions que publiées sur le moniteur de la République et le journal officiel maintenant là au final ça va les dire pour autant que qu'a décaissé ou qu'a pris comme d'enfant pour aller prendre comme d'enfant faut que même résolution ça inscrit dans le budget de la République. Budget de la République, c'est ça, la loi des finances. Ça veut dire que le gouvernement dit, mais qui dépense pour faire pour réaliser tel objectif que m'a gagné et que société est d'accord avec lui. Et le gouvernement fin fait, eh ben, lui soumet lui par le Parlement et le Parlement est deux branches séparément. Il a voté pour dire si oui ou non, il est d'accord avec le budget ça. Alors, fin de voter budget ça, lui exécuté. Ok? Maintenant, alors, pour me dire rapidement tout, ou bien d'après résolution, soit pas inscrit dans le budget, pas qu'à décaisser, et soit inscrit projet dans le budget, il pas dans la résolution, pas qu'à décaisser non plus, suivant le protocole qui est établi depuis 2012. Mais rapidement tout, que avant 2012, c'est pas comme ça le protocole l'a été. Et, bah, de 2008, René Préval, président Préval, signe, bah, ça avec Chavez, jusqu'à 2011, eh ben, chaque fois, c'était, et il suffit que une résolution, et puis monsieur décaissé. Mais à partir de 2012, le président Martelly-Vigny, premier budget président Martelly présenté, eh bien, il a inscrit Petro-Caribéen dans le budget qui, ça veut dire, il a soumis le Parlement avant qu'il commence à exécuter. OK? Bon, vous besoin que vous compreniez pour comprendre que leur gain, un projet qui Petro-Caribéen, l'y engager toute instance de l'État. Ça, c'est la première chose que j'ai besoin de dire. Deuxième bagaille, j'ai besoin de dire, c'est qu'une fois que projet ça, qui est inscrit dans le budget et qui fait l'objet de résolution qui est disponible, donc que chaque ministère gagne, ou même qu'on est comme ministère de l'Agriculture, ou gagne pour aller faire irrigation de la vallée de l'Artibonite, eh bien, ou qu'on est, pour faire projet ça, ou obligé de faire un appel public, ou offre, pour recruter une firme, ou appel à matière d'intérêt, recruter une firme. Qu'on a, ça, c'est marché public qui mobilise. Qu'on a, en d'un ministère pour là, ministère de l'Agriculture, ou gagne ça au relais, ou commission ministérielle de passation de marché. C'est des experts, des fonctionnaires d'un ministère là, qui fait document de projet, et qui mettait un document, sur site ministériel, et sous journal, qui dit à recruter une firme, ou des fois, tout le monde doit faire, et appel d'offres restreint, côté écrit quelques firmes qui ont expérience déjà, ou dire nous-mêmes, moi proposer nous tel marché, ben mon offre pour moi qui est dans nous qui pis bon. Et puis une fois, par une procédure d'appel d'offres ouverte, ou bien par une procédure d'appel d'offres restreint, ils ont choisi une firme, et firme ça qui choisit, c'est commission ministérielle de passation de marché, qui soumet dossier ça, ben ministre qui concerne dans le secteur. Donc la commission finit, ils remettent dossier par ministre concerné, par exemple, commission ministérielle de passation de marché dans travaux publics, dans agriculture, les soumettre dossier par ministre agriculture, ou la ministre agriculture écrit en lettre, voyez par commission nationale de passation de marché. Commission nationale de passation de marché, elle n'est même pas relevée de ministère, elle est en fait relevée de primature, mais en fait, son institution autonome liée, elle n'est pas, l'aime d'autonome, elle n'est pas prendre l'autre dans le ministère, ça veut dire, mon projet vini, si le projet n'est pas bon, elle retourne le projet. Et personne n'a pas vini balle, elle a un mandat de 3 ans, et elle n'a pas dérangé par rapport à ça fait. Ou elle tellement pas dérangé au songe, elle vient parler de question de Marcelo, ça veut dire que, mon tempérament, elle dit, le projet, ça me bat d'accord pour le passer, mon a fait le menace tout sauvé, mais le projet n'a pas passé parce que, il y a des procédures, il y a des protocoles pour respecter. Il se trouve que, une fois que tout ça vient fait, Commission nationale de passation de marché, si projet n'est pas bon, s'il n'est pas d'accord avec procédures, qu'on respecte, qu'on suive, il retourne le projet dans le ministère, là. S'il est d'accord, il retourne, il écrit pour le dire, OK, il va y avoir un problème, il va y avoir une objection, qu'on a un projet à aller dans le cours supérieur des comptes et du contentieux administratif. Cours des comptes pour le vérifier si, sur le plan comptable et financier, tout bagaille, tout norme est respecté. Si cours des comptes estime que tout est respecté, lui dit OK, 15 jours après, lui retourne le dossier dans le ministère pour exécuter. S'il dit projet pas bon, lui retourne encore pour reprendre toute procédure encore. Ça veut dire, il faut aller dans la commission ministérielle de passation de marché. Ensuite, pour repasser par la commission nationale de passation de marché, on veut pour remonter encore dans le cours des comptes. Et si ça fait que, en moyenne, fonds monétaire est calculé, que lui doit prendre jusqu'à 51 semaines pour un projet, entre le moment où concevoir le projet, avec le moment où commencer à exécuter le projet. Ça veut dire, pour grosso modo, 1 an. Et en moyenne. Maintenant, ça qui passe, c'est que si coup d'un compte 10 projets à bon, il tourne le projet dans le ministère, qu'on a un ministère gagné pour l'écrire en lettres,
bah, ministère de la planification pour le ministère de la planification, projet que m'était inscrit dans ce ministère de la planification qui validait projet, leur préparer budget de la République. On connaît pays a deux budgets, un budget d'investissement et un budget de fonctionnement. Budget d'investissement, c'est le ministère de planification qui coordonnait, c'est lui qui a ordonné. C'est que le ministre finance pas qu'à décaisser sous budget d'investissement, c'est le ministère de planification pas par autorisation. Donc, pas aucun dépense qu'il a fait sous budget d'investissement, c'est pas une lettre qui émanait du ministère de la planification qui dit ministre finance, non, moins d'où fait ça, ou qu'a fait. S'il pas dit, ou pas qu'a fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que le ministère de planification recevra lettre, non, une direction dans le ministère de planification qui est la direction évaluation et suivi. Les mêmes pourraient vérifier si tout ça était dit, qui était doué fait dans le projet ou fait, si le protocole est respecté, si le tout bagage respecté, il y a qu'on lettre que le soumettre à signature ministre planification, que lui-même l'a voué par le ministère finance pour le dire ministère finance, mettez le projet qu'a exécuté dans notre secteur, par exemple, la vallée de la Tibonite, tous les protocoles ont été respectés, mais autorisés pour passer instruction by BMPAD pour BMPAD décaisser tel montant d'argent pour moi pour me faire projet ça qu'on a ministère planification vous voyez l'état du ministère des finances l'état pas venir sous bureau ministre finance là aller directement dans direction budget direction générale du budget qu'on a direction générale du budget vérifier si tout protocole est respecté il y a des contrôleurs que les contrôleurs financiers dans direction générale du budget qui vérifient que tout bagage est respecté et tout bagage est respecté qu'on y a ils ont préparé une lettre que directeur général budget avoué mettait la signature du ministre des Finances pour demander directeur BMPAD pour décaisser. Qu'on a le directeur BMPAD recevoir l'état. Lui-même, il va le contrôler. Est-ce que tu as une résolution qui dit pour faire? Est-ce que le projet ça a lui-même son projet qui vraiment était aligné? Etc., etc. Donc, si tout protocole pas lui respecté, il y écrit en lettre, by gouverneur de Banque Centrale, pour dire gouverneur de Banque Centrale, décaisser tel montant d'argent, pour telle entreprise, ou à virer sous tel compte. Mais compte là, en fait, c'est ça n'est le CSTD, son compte, il est le compte spécial du trésor pour le développement. Son compte transitoire que lié, comme ça, Banque Centrale mettait sous compte ça, et que comptable public eux-mêmes, ils ont pris aller garder dossier firme là, pour si firme là est correct, s'il paye taxe, si tout à fait le correct, si firme là pas de problème, et que qu'on a c'est comptable public qui a dit si oui ou non décaissement qu'a fait. Et c'est à ce moment-là seulement que direction trésor virait comme ça, sous compte firme là, et que firme l'a touché. Et c'est ça le protocole. Maintenant, nous n'y a parlé de Petro-Caribé, on dit on volait l'argent, etc., etc., parce que c'est des mondes qui croient que on sac l'argent en côté, et puis qu'on ministre qui a instruit un tel, dit retirer ta corbe, etc., etc. Dans ce sorte d'écrit barreau là, où est-ce qu'on va compter, il y a presque 12 étapes pour la passer, et il y a gagné peut-être n'importe une trentaine de monde, parce que l'homme prend la commission ministérielle de passage de marché, il y a gagné 4-5 monde là-dedans. Ensuite, il y a un ministre, un directeur, un des services, qui ont chaque deux bas à quoi, avant des questions faites. Donc, Mounio même, l'information arrivée au dos, Mounio dilapide fonds Petro-Caribé, bah, là, énorme, parce que, bah, des chiffres, d'ailleurs, ouais, chiffres, personne ne parle combien comme, bah, là, est vraiment, il y a des mondes qui disent c'est 3 milliards, 3.5 milliards, c'est 20 milliards, personne ne parle combien comme oublié, et eux même comparé Haïti avec la République Dominicaine, côté République Dominicaine, sous la même période, il y a engrangé 7.5 milliards de dollars avec Petro-Caribé, alors qu'Haïti, c'est 2.2 milliards de dollars au total, que Petro-Caribé a généré, qui est entré dans fonds, et Petro-Caribé en dedans BMPAD. Maintenant, fonds Petro-Caribé, ça, gagne à peu près 1.7 qui fait l'objet de résolution Petro-Caribé. Mais c'est pas tout 1.7 qui décaissait, gagne 1.5 milliards qui décaissait en 9 ans. OK? Donc, gagne 1.5 milliards qui décaissait en 9 ans, et il reste là, les dépenser dans l'autre projet qui pas forcément passé sous résolution Petro-Caribé, parce que le en 2007-2008 il a discuté et convention ça avec Venezuela et Haïti gagnait 3 usines électriques une au Cap-Haïtien une Gonaïve une Carrefour donc pour l'ouest que Venezuela a financé trois grosses usines pour 70 mégawatts à peu près et au total qui au même yo pour gérer yo Venezuela a recruté une firme ESD, une firme coréenne, que ont payé directement, que c'est BMPAD qui paye directement, ça n'a pas passé par le ministère des Finances. OK? Et puis, il y a d'autres dépenses qui passaient, ça veut dire moins d'où. Dans 2.2 milliards là, il y a 1.5 milliards qui décaissaient sur la base des résolutions Petro-Caribé. Restant dépensés directement par BMPAD, qui ont en direction générale autonome, qui pas forcément, il y a un budget pour le gérer. Naturellement, le conseil d'administration à la tête, li, c'est le ministre finance qui est président du conseil d'administration, mais il y a un ministre plan, il y a un gouverneur banque centrale, il y a un ministre commerce, il y a un de l'autre ministre qui est en dedans, qui siégeait, et non, conseil d'administration BMPAD,
ou rencontrer même pas trois fois par année, parce qu'on fait conseil d'administration une fois par trimestre, une fois par chaque quatre mois. Donc, ou pas, c'est pas au même cap géré au quotidien de BMPAD. Directeur général, ça, c'est généralement, il y a beaucoup plus de moyens dans mes qu'on ministre. D'accord? Donc, de ce point de vue-là, ça, mon yab dit sous Petro-Caribéen, yo trompé moun yo, c'est moun qui a dit bah là, yo fait exprès yo trompé moun yo, parce que yo connaît bien que Petro-Caribé dépense yo pas fait comme si on dépense direct comme si tant qu'on était un quincaille ou bon ou gain affaire ou décider ou dégaisser là-dedans, c'est pas comme ça le fait, il y a tout protocole ça me sort décrit bah oua. Sauf que si gain des problèmes, monsieur yo pas décidé à chercher côté problème là hier, yo accusé des moun a priori et c'est ils font plongaille pour chercher des moun pour incriminer, parce que dans la pratique seuls gens pour copier que Caribé a mal dépensé, c'est gens contrats au bail là, c'est leur contrat, parce que si c'est contrat son film pour recruter, c'est dans leur a profité film pour problème là, un bon exemple actuellement soit Algonaïve ou soit Gonaïve, vous pour aller dans zone au cap. Ou après de Gonaïve à Henry, ou route là très belle. Son belle route qui fait depuis après inondation Gonaïve, sous président Préval te gagne travail ou te fait sous la rivière la Quête, je crois. Et qui te canalisé rivière là pour faire de l'eau pas descendre dans ville là encore. Et te gagne projet pour te construire route qui allait de Gonaïve à Henry. Et sous président Martelly, donc contrat ça va passer, gagne un film, cap. Et alors, c'est des contrats qui étaient déjà passés, puis sous président Martelly, le projet ça va continuer jusqu'au nien, parce qu'on est en pile travail de aménagement de berges et de confortement, bah qu'on est de certains d'allos, des ponts qui étaient faits. Sous qu'on a au cap en 2013-2014, moi je remarque dans zone rivière, là, t'es un gros travail qu'on a fait pour empêcher rivière pas de craser, etc. Donc travail ça a été printemps, mais finalement route a fini là. Mais soit le calculer, ou après que en moyenne kilomètre coûte ça coûtait entre 1,2 et 1,5 millions de dollars américains. Ouais. Maintenant, si me dit surfacturation. Non, alors c'est pas ça m'a expliqué. OK. Quand sous virer pour aller faire à l'ouest, parce que sous au cap, ou fait nord et ou gagne virer pour aller à l'ouest. Ouais. Sous à l'ouest, c'est et ou aller vers Gourmand. Mais ou est Botel route qui relie Carrefour-Joffre en Safouleur, Carrefour-Joffre port de paix. Mais Botel route ça, président prend engagement de bien l'installer, il dit la faire route là. Donc on est dans pile bataille, parce que c'est quand même 100 km, 101 km de route, et à 1,5 à 2 millions de dollars, ça fait 200 millions de dollars. C'est que si vous n'avez pas 200 millions de dollars, vous n'avez pas fait route là. Le président dit, il a fait lui-même. Il me dit, écoutez, monsieur Bajen, comme là. Et puis, écoutez, monsieur lui-même, c'est entrepreneur lié, il connaît structure de coût pour faire un kilomètre. Qui s'agrandirait dans la fabrication au kilomètre de route? C'est gravier, c'est wash, c'est sable, et puis c'est asphalte. N'est-ce pas? Avec main-d'œuvre, etc. Comme celui même li koun bagay sa ou déjà. Li même li dit, mais gravier ou wash sable, Haïti c'est un pays qui gagne plus matériaux de construction dans toute région en net. Y compris, en tout cas, même par rapport à la Floride, zone sa ou, Haïti ka vend yo matériaux de construction. Nous gagne des types de matériaux qui de bonne qualité et qui ka fait des travaux publics de travaux de grande qualité. Donc, moun ka fait route là pour Haïti, il pas besoin de faire 10 km, 20 km pour la chercher matériaux à côté route là. Donc, ou gagne gravier, ou gagne wash là, ou gen sable là. Maintenant son besoin équipement pour prendre dans sol là. Kounya gen équipement, c'est annoté gen quand même 700 gros équipement lourd. Naturellement pile là de craser nego et saboter yo. Président récupère un peu et puis là président sort fait commande pour plus que 600 nouveaux équipements lourds, des bulldozers, de gradeurs, de tracteurs, etc. qui pour non seulement à creuser route, mais également à faire des travaux pour faire réservoir, pour conserver de l'eau, parce qu'on est pays à, nous gagnons trois mois, quatre mois maximum de la pluie, et vous gagnez huit à neuf mois de sécheresse. Ça veut dire, agriculture haïtienne vient perturbée, ça fait que cycle de production posé, ou gagne problème, ou pas qu'à respecter cycle de production, ça veut que des périodes gagnent en pile pénurie de manger. Eh ben, pour résoudre le problème, ça, nous avons besoin des capacités pour nous conserver de l'eau. Parce que c'est pas moins de l'eau qui tombe sous pays, hein. C'est que toute l'eau tombée dans des périodes courtes, ça fait toute la gain inondation. À cause de phénomène El Niño, donc, dérèglement qui fait dans le climat, qui fait que l'eau gagne la pluie quand pile la pluie et le bagage la pluie, bagage la pluie du tout. Donc, l'eau gagne la pluie, c'est conserver un peu pour qu'à utiliser le bagage la pluie. Et donc, travail, ça, c'est ça, ouais, mon premier gros réservoir que je vais faire
peut-être 200 millions parce que mètres cubes d'eau qui pourrait le faire dans zone Marion dans nord-est, mais il y a 12 réservoirs comme ça pourrait le faire sous Gonaïve entre dans bande de côté côté rivière souvent il y a débordé dans des vidéos et puis leur besoin fait irrigation pour faire agriculture pour bête manger c'est pas rien et ben là on pourrait le faire réservoir pour qu'il y ait de l'eau pour faire irrigation dans plusieurs côtés dans le pays d'Haïti pour la première fois depuis pays a existé. Donc c'est équipement ça qui a acheté pour faire ça. Maintenant pour nous retourner dans la question, soit ça n'a pas de différence de prix. Hein. Bretel qui allait sous cap ici, Mdouli, coûtait 1,5 et 1,2, 1,5 millions de dollars. Bretel qui allait sous port de PA, actuellement, travaux de terrassement, ça veut dire mettez gravier, mettez roche, mettez sable, c'est travaux publics qui fait. Nous, l'État a un équipement, donc l'État utilise l'équipement pour faire à transporter matériaux, ça, on mettait sous route, et puis rapidement. Mais pour faire asphaltage, ça, si Mdou on prix, ça a choqué, hein, c'est 100 000 dollars. Qui le fait. Mais qui est-ce qu'a fait? Quand on te parle, dit, bon, pas possible, parce que sur l'autre firme, etc. En réalité, c'est même firme qui fait Bretel qui sort de Gonaïve, qui allait sous Henry, hein. Suite à la discussion président fait avec tout le monde, pour l'expliquer, parce que le dit, mon, écoutez, au okay, fond, kilomètre de route, dis-moi ça qu'entrer là-dedans. Combien de camions ça a besoin? Combien de camions roche? Combien de camions gravier? Combien ça? Nous calculer tout ça. Combien pour amortir l'équipement à utiliser? Qui m'aide à vous payer? L'autre firme fait tout le contrôle là. Mon cher, le pape couteau, 30 000 dollars, le kilomètre. Si c'est l'État qui a fait, regardez dans le sud, il y a plus de 60 km de route qui fait, c'est les 4-5 derniers mois. Mm-hmm. Mais avec qui ça? C'est les travaux publics qui fait, hein? Mais côté comme la soi-disant, tout le monde dit, c'est son comme l'État blanchi, son comme le président blanchi. Parce que nous avons tellement dépassé, on ne comprendre pas ce qui passe. Hein? Parce que travaux sont faits, et tout le monde a travaux faits, il va à côté comme la sortie. En réalité, c'est parce que Yovin fait travail de structure de couillot, puis ouais, qui ça qui vraiment coûtait l'argent? Et puis, il va payer ça pour coûter l'argent. Il va faire, il va pas coûter 30 000 dollars. Donc, il va pas le faire marcher, hein. Eh ben, 100 000 dollars pour un film, c'est déjà largement payé. Et donc, film, il est content. Donc, Consortium Remix, qui t'a fait un bain non-film, là, il va vérifier, qui fait route, sort Godai va Henry, hein. Eh ben, c'est lui-même qui fait les 5 premiers kilomètres. Parce que c'était 2 kilomètres qui étaient faits avant. Mais depuis le mois dernier, là, depuis semaine dernière, on connaît 3 autres kilomètres qu'ils ont fait. Qui sont sortis de, mais pendant ce temps, ils ont obligé de dériver route, non? Parce que vous connaissez, ils passent en pile rivière, des bagages comme ça, qui fait qu'il y a un pile gros travaux pour eux t'as fait. Donc, ils ont dérivé route, là, sous 10 kilomètres, pour eux t'as joué dans une zone, côté qui est moins inondable, pour que route, là, lui-même, les cap asphalté, puis route, là, cap conservé. Donc, actuellement, route, là, fait tranquillement. Et, mais tous ces 100 000 $ là, ils ont payé Consortium Remix pour un kilomètre. Alors que, même Consortium Remix a touché 1,2 à 1,5 million de dollars. Et pour même route, ça veut dire, c'est deux bretelles. Ou pour un bretelle aller vers le nord, ou pour un bretelle aller sur, et c'est connecté tous les deux. Et puis, regardez, ouais, différence. Donc, c'est ça, mon besoin de comprendre. Là, on parlait de Petro-Caribé, gain gaspillage qui fait. Ça me dit. Gain plus de 385 projets. Qui fait dans Petro-Caribé. 386 ou 385. Petro-Caribé, pas bail, il fait que nous avons besoin, parce que c'est seul ressource qui est dans le monde qui est premier ministre pour le défaire politique. C'est ça le problème, Petro-Caribé. Petro-Caribé, d'abord, il y a sur coup, parce que produit, Jean marché public, il fait, non. Manquer transparence dans Jean, firme fixé prix parce que comme si ou gagne après trois firmes mais trois firmes en collusion yo bay des niveaux de prix qui fait que l'on choisit le moins 10 ans mais moins 10 ans est déjà trop haut de beaucoup par rapport à ça le tadoué normalement. L'État pas de mécanisme pour le contrôler prix. L'État pas de mécanisme ça ne relève les prix de référence. Okay. Pas de gain des calculs de prix qui fait pour chaque structure de marché et qui dégon un gros livre et c'est ça que nous essayons de faire de venir arriver avant beaucoup fini mais c'est très facile à faire pour chaque type de marché gagner structure de quoi pour qu'on ait qui ça nous-mêmes, qui ça l'État lui-même décide qu'on est, qui techniquement le coût le plus bas. Et puis maintenant, et puis on connaît qui coût qu'on peut dépasser. On dit bon, si ça c'est coût, on dit c'est X. Si firme doit faire 18 à 20% de bénéfices, eh bien le cas X plus 18, mais le cas X plus 20X. Donc c'est ça là, qui vient de passer, qui vient de faire que différence ça, monde qui, comme l'État pas de information ça normal. Tout le monde t'a profité de lui. Mais moun t'a profité de lui surtout à cause du fait depuis 1974, nous connaît que l'Institut international, t'es que la BID, il vient avec des structures que nous relais UTE, Unité Technique d'Exécution. Et BID dit, mais lui va aller démarcher dans le pays, hein, et lui recruter des firmes internationales pour venir exécuter projet ça. Et firmes ça, pour mobiliser équipement, des fois pour voir les bateaux, et qui viennent porter des tracts, des graders, et bien viennent pour tant travailler là, après ça faut retourner dans le pays. Toutes les barrières sont entrées dans le coût de construction au kilomètre.
Et puis ensuite, il y a même, il y a des expatriés, il y a des niveaux de salaire que vous payez dans le pays, yo. Et c'est tout ça, vous venez mettre sous pays d'Haïti. Donc ça vient de faire que le coût de construction d'un kilomètre, il est extrêmement élevé, avec tout ça, les coûts de transaction, ça, qui est associé. Alors que si vous n'avez fait en Haïti, tout équipement en Haïti, pas d'avoir une raison, pour c'est même bagarre là, mais vous remarquez que même firme ça, yo, même institution internationale ça, yo, yo aligné coût, yo, coût que bah marché, que ce soit une firme haïtienne, que ce soit une firme internationale, c'est même condition. Et à ce moment-là, tout prix vient surfacturé. Qu'on a vint dit que bah la surfacturé, en fait l'État quelque part subit bagarre là. Parce que c'est de 1974, bagarre là, comme ça, que UTE existait, et tout gros travaux que qu'on a fait, c'était souvent des institutions internationales qu'on a financé. Donc, c'est eux-mêmes qui t'ont défini standard de prix, maintenant, que le gouvernement vini, les dit, besoin faire un système de prix de référence, pour dire, si besoin acheter un microphone, besoin acheter un frigidaire, besoin acheter un cahier, besoin acheter un sac du riz, besoin acheter un automobile, mais qui tarif maximum. Ou à remarquer, le gouvernement fait installer, gain arrêté, une première arrêté que le gouvernement prend, c'est sur le train de vie de l'État. Qui dit, mais qui prix maximum pour acheter un véhicule pour l'État désormais. On ne peut pas acheter un auto, 180 000 euros là. Et quand on parle avec lui, pour sortir là, où vous venez travailler chaque matin. Et donc, c'est des mesures comme ça qui viennent prendre, qui dit, un auto, l'État va acheter, pas qu'il doit coûter plus que 45 000 euros. Donc, voilà, au lieu que l'a coûté 180, 200 000 euros là, désormais. Donc, affaire Petro-Caribéa, c'est comme ça pour nous comprendre, c'est que d'abord, gagnons question de surfacturation, gagnons des fois qu'on doit dire de mauvaise foi, mais souvent, son surfacturation subie de gens que structure de marché hôtelier avant. OK? Mais deuxième problème là, c'est que Petro-Caribéa lui-même, n'a pas effet qu'on va chercher, parce que, chaque député, chaque sénateur, faut pas oublier qu'on gagne 119 députés, et pour gagner 30 sénateurs. Ça, faut grosso modo, gagner 150 parlementaires. Ouais. Dis que m'pral dans la vallée de l'Artibonite, m'pral prend rivière la Quinte, pour m'virer, pour m'aller gagner 3 ou 4 000 kilomètres de, 4 000 hectares de terre dans la vallée de l'Artibonite, qui a produit n'importe qui, ça a produit poids, qui a produit des bails, qui a bail peut-être, en exagéré peut-être, 2000 monde, 3000 monde travaillent. Par contre, peut-être par kilomètre, ou a besoin, par hectare de terre, ou a besoin 4, 3 à 5 monde pour travailler. On dit, c'est pour m'a fait dans zone, non. Donc, c'est le travail qui est un travail manuel. Donc, on a besoin 5, 6 monde qui vous travaille par hectare. Donc, 5, 6 monde sous 3000 hectares, ça vaut 15 000 emplois qu'on crée. Mais pour créer 15 000 emplois, ça, faut qu'on fait de l'eau, pour qu'on conserve de l'eau. Mais gros travaux ça yo qui t'est doit intéressant pour tout département qui t'a fait tout le monde qui besoin de notre travail au lieu que vous parti Bahamas et vous parti dans l'autre pays Saint-Domingue à couper canal à cueillir pour dans l'autre pays yo t'a fait la caillo et yo t'a fait a éduquer petit yo tout là pour sauver famille yo pour qu'il y ait intégrité famille yo yo obligé quitter famille disloquer tout problème en Haïti je veux dire nous t'a cap pas de problème ça aussi nous t'es cap développer infrastructure dans Gonaïve mais ou pas qu'à le faire dans plein de Gonaïve parce que moun ki nan en Dienria moun ki nan en Scrooge là libral goumen pour le dire moi-même moi besoin projet là comme tout li pas comprendre que c'est projet ça pour me faire qui va le faire que en Scrooge vienne plus valeur parce que me font gros projet référence un projet levier qui permet que investissement que me fait côté me prendre l'eau ça moi ba travail pour 15 000 moun peut-être a gagner 200-300 monde qui sont en Scrooge, qui ont un travail, qui ont un salaire régulier. Ce que vous pas besoin, c'est une place publique, mal fait dans zone. Non, pas dit place publique, pas important. Mais faut qu'on fait investissement, qui catalyse l'autre investissement par après. Parce que monde, ça, vous pouvez revenu dans Scrooge, là. Niveau de vie, vous pouvez le changer. Et vous pouvez créer l'autre type d'entreprise. Et qui va le permettre qu'il y ait un Scrooge riche. Parce que, dans zone, là, un gros projet, qui fait tout le monde travail. Mais moun, y'a pas compris ni comme ça. Et comme la gaspiller, dépenser dans une bande de petits projets sans lendemain, souvent. Parce que système politique là, li anti-développement. Okay. Donc problème que nous avons en Haïti, c'est d'abord un système politique qui est anti-développement et qui, c'est sénateur député, c'est un premier ministre qu'on connaît, s'il pas fait un bail pour chaque député, il a interpellé, il a révoqué. Système politique haïtien que nous avons aujourd'hui, c'est pour un système qui voulait développer un pays. Et c'est ça le cœur du problème. Gros mot, dire. Mais c'est le cœur du problème. C'est le cœur du problème. Et comment adresser? Comment adresser le problème, ça? C'est le diagnostic que vous diagnostiquez. Je vous dis, pas que grand pile. Je parle avec vous, Alex Saint-Jurin. Vous avez vécu ici peut-être depuis 25 ou 30 ans, je ne sais plus combien. Mais, ou même, où t'es déjà au monde, qui t'es très impliqué, où t'as beaucoup, c'est responsable de nouvelles, ou t'es, en tout cas, directeur de salle de nouvelles. Ou qu'on bagaille ça, yo. Ça m'a dit, là, j'ai pas même inventé, yo, pour. Ou qu'on est pays a pas de constat. Haïti, c'est pas comme ça, le il y a 30 ans. Haïti vient tomber dans bagaille salier là. C'est parce que nous-mêmes, nous voulons faire démocratie, mais t'as inventé une démocratie, que nous pas qu'à maîtriser. Parce que démocratie, c'est d'abord institution, c'est des règles, c'est des normes, c'est des principes que nous respectons. Mais le fait que nous dit démocratie, ça veut dire c'est libertinage. Tout le monde fait ce qu'on veut. Ça veut dire pas qu'aucune instance dans l'État qui a capacité
que tout le monde reconnaître que l'ICA font bagaille et que ça l'a fait si le bon et que tout le monde d'accord avec lui. Nous pas d'accord ça en Haïti. Tout le monde, il y a bien des points de vue, quelle que soit contradiction qui exprimé, et bien valable, et quel que soit monde que vous démontez, etc., il est valable, parce que pas de sanctions, pas de aucun genre pour, on, comme si pour ça, bon, pour la collectivité, ou joindre toute collectivité, comme si vous joignez un monde qui acceptait assumer, parce que l'on prend risque, ou assumer, sans quoi être bon pour la collectivité, il tourne contre vous. Exactement, le tourner contre vous. Parce que vous regardez tout ça qui vient de passer. Question, que ne prend couper trop garibé? Que ne prend des mounes qui prennent des risques personnels qui entrent à le travail dans l'État? Qu'on regarde ça qui a passé aujourd'hui, hein. Président de la République, là, Mounio, il n'est pas signé avec Fonds monétaire depuis c'est avant-hier qu'il a signé avec Fonds monétaire. Pas de gain qu'on pète qu'au Caribé pour être programmé. Même t'as remis au monde dit, en un an, sous tout gouvernement passé depuis 1986, qu'il a, en dix mois, un gouvernement conduit autant de chantiers en même temps. L'autre jour, m'a regardé le nombre de ponts qui étaient en fait dans zone plateau central, parce que bon route qui vous sortit sur plateau central qui va aller sous le nord. Mais t'es des ouvrages qui vous fait des dalots, des ponts, etc., etc. Mais c'est impressionnant. L'autre jour, m'a regardé le ministre Travaux Publics qui a voyé photo des ponts qui fait sous rivière Cano, sous rivière ceci, sous rivière cela. C'est un ensemble de barrières qui étaient en fait en 10 mois. Et qui fait à partir du trésor public. Et qui était impossible avant. Donc, Mounio, les gens sont des patients, parce qu'il y a un an, pas rien qui fait, mais l'on mesure ça qui fait, là, c'est énormément de choses qui fait. Mais, où jeune deux, trois politiciens qui ont imbibé l'esprit Mounio avec des barres pour dire, faut qu'il y ait plus de barres qui étaient faites, et puis, au lieu que, Mounio n'a pas dit, bon, ça a fait, moi-même, t'as fait le tel l'autre gens, lui, bon, même t'as fait le tel l'autre gens. Il n'est pas fait du tout, bien, pas bon du tout. Comme façon pour le décourager, parce que t'as rien fait dans le pays. Et c'est ça qui fait que tout gouvernement, n'est pas assuré, que ou pas j'aime un temps de sérénité suffisant pour faire rien, pour construire dans la durée. Ça fait, moi, ça m'amuse, les moi, à comparer Haïti avec la République Dominicaine. République Dominicaine, moi-même, en 82, dans la République Dominicaine, bon, c'est ton pays que, où t'es jeune, où t'es bien content, well, même pas impressionné par rien, t'es en République Dominicaine en 1982. En 92, nous changeons, 94, j'ai vu une grosse crise. Mais où est-ce que ça passe en République Dominicaine? Depuis 98, ils ont venu, ils ont fait, en tout cas, on dit, on sort de rumblé, comme tout le monde chita, autour d'un table, ils ont d'accord. Mais de 98 à aujourd'hui, hein, changement de gouvernement fait régulièrement. Par exemple, il faut pas oublier, ils sont sortis en dictature, mais ils ne sont pas sortis en dictature, ils vont tomber dans l'anarchie. Parce que nous-mêmes, c'est le seul pays qui a une dictature là-dedans et qui remplace la dictature par autocratie par une sorte d'anarchie. C'est ça lié. Ça veut dire qu'on prend chier. Tout pays sont là. Combien de pays qui pas de gagner ont dictature là-dedans? Comme prend Brésil, comme prend l'Argentine, comme prend Paraguay, comme prend je sais pas moi, Mexique. Bon, Mexique, lui-même, t'es gagné le prix, mais c'est presque une dictature de parti. Il a été gagné 70 ans au pouvoir. Il avait été gagné en continuité dans sa affaire. En dehors de ça, mais c'est toute l'Amérique latine, c'est des dictateurs qui gagnent. L'Europe, comprend Portugal, ou prend l'Espagne, un pile pays, c'est ou prend la Yougoslavie, c'est des dictateurs qui sont là-dedans. Ouais. Mais ou les Philippines, ou la Nazi, c'est la même chose. Mais tout pays, ça a fait transition. Ils ont sorti dans dictature et puis au fond, on transition douce vers la démocratie, côté où prend le temps de mettre en place l'institution. Nous-mêmes, nous raté transition. Nous-mêmes, nous retirer dictateur, c'est-à-dire l'autocrate, et puis nous remplacer le par on bagaille dans la rouille, pas aucune norme, pas aucune institution, rien pas valable. Ok, nous pas d'accord sur rien. Et puis ça mettait dans ça. Et puis chaque monde qui osait à laisser soit changer ça, on va bouler parce que pas de cadre pour travailler. Est-ce que l'État généraux que président par exemple prônait, c'est peut-être la norme qu'il faudrait emprunter, la route pour ta faire court blanc. Bon, remarquez, question posée, moi je dis rapidement pour me faire court. Et pas grand pile pays côté gouvernement qui est élu, qui gagne toute institution en place, et vous tendez au dire, on va le faire conférence nationale. Ou bien on va le faire état généraux, quel que soit ce qu'on veut dire. Et ça, faut tout le monde rendre grâce, au président de la République, que lui-même, lui, rivé, ou, qui est forme, se fait pour le faire stabilité dans le pays, hein, côté, dans le comportement, avec parlement, avec le pouvoir judiciaire, avec la presse, tout, même si des fois, t'as, ouais, quelques irritants, des bagages comme ça, ou remarquez, à chaque fois, monsieur Campé, son ligne droite, et lui, joue nos gens pour le dialoguer avec tous les pouvoirs, quelles que soient les circonstances, pour voir si la guerre, la sérénité, la paix, la stabilité, parce que c'est la seule condition pour que le pays a trouvé le chemin de la croissance et de la paix. Cela dit, je dis, malgré le travail fait avec l'institution, où le pays a tellement pas, comme si le pays a tellement pas institutionnalisé, que l'institution eux-mêmes ont décrié. Donc ça fait que c'est pas suffisant. Ça fait que le président dit, malgré, et faut ça, ouais, il dit, mais faut
Gombay qui ouvert plus. Faut dans le département, faut dans la communauté, faut dans le secteur. Ça fait que l'inancé état généraux pour dire en plus de travail qu'il a fait pour consolidation, renforcement des institutions, mais il fait le tout pour voir comment pour jouer une adhésion populaire à politique publique. Pour qui ça je dis à on monde l'homme malade obligé de chercher un avion ambulance pour aller dans le pays étranger. Est-ce que c'est comme qui va gagner dans le pays? Est-ce que c'est l'hôpital qui va gagner? Bon, monde dit pas que l'hôpital, même pas quoi ça. L'homme marche dans le pays, il y a quelques, bon, c'est vrai que il y a 122 sections communales dans le pays, qui parient au centre de santé là-dedans, sous 572. Mais ça veut dire qu'il y a quand même 450 sections communales qui gagnent au centre de santé là-dedans. Si on parle de l'hôpital, comme si de catégorie, truc, dans les départements, presque tout département gagne une ou deux bons hôpitaux là-dedans. Et quand même, ou gagne en Port-au-Prince, en Port-au-Prince, on dit comme ça, ou gagne trois ou quatre gros bâtiments, que t'as dit, c'est de l'hôpital de référence, t'as dit, t'as pris trois niveaux de soins, d'offres de soins qui existent dans le pays. Sauf que, malgré bâtiment, ouais, que pas qu'un soin. Donc, le problème, c'est pas bâtiment, yo. Gagne bâtiment. Est-ce que c'est médecin? Gagne des médecins qui formés, gagne là, donc, qui étudient dans tout le pays sur la terre, ils étudient avec l'autre monde qui réussit des gros bagailles. Donc, c'est pas monde qui va former. Sauf que, n'a pas qu'à faire système non fonctionner. Pourquoi ça, système n'a pas qu'à fonctionner? Faut dialoguer. Premièrement, une question de qui vient financer la santé en Haïti. Mais ça, comment on peut le faire? Si on dit, ou pas le dit, mon payer 10 gouttes en plus pour soins, il a fait manifestation, dit ou dit, on paye trop l'argent. Mais on n'a pas aucun problème que lui payer des centaines de milliers de dollars pour un bagage que le payer 300 dollars en Haïti pour le faire. Parce que Haïtien pas, remarquez, là c'est étranger qui dit Haïtien, paye un bagage, il paye. Là c'est, si pour le payer, pour peut-être, pour payer l'avancé, il pas payer, mais il pas qu'un problème, pour le monter sur les réseaux sociaux, pour la radio, pour dire Haïtien, il pas passé. Mais là, venez aux États-Unis, regardez, demandez combien de taxes que le paye aux États-Unis, demandez combien le paye en Haïti, là, dans Haïti, ou bien si vous activez en Haïti, est-ce que d'accord pour le payer taxes? Lui vont bien en Haïti, il pas d'accord pour le payer douane pour lui. Mais est-ce que le café le même genre aux États-Unis? Est-ce qu'il connaît l'autre pays sur la terre, le café comme ça? Donc, mon libertinage que nous quitter, qui ancré dans nous, qui fait que nous croyons que, comme si le pays a dû fonctionner sans pas des conditions pour fonctionner, et puis n'a pas étonné que l'autre pays a fait progrès. Donc, l'État général pour faire mettre nous devant responsabilité, pour dire qui ça fait en l'État, qui ça fait en nation, qui ça fait en pays progresser. C'est pas terre, c'est pas mounio, c'est pas environnement et côté lié, hein. C'est tout ça à la fois, mais tout ça à la fois pour organiser un système pour travailler pour le bien-être collectif. Sinon pas, si c'est pas ça qui anime nous, pour nous connaître, faut que mounio, faut que institution, faut que terre, force à nous gagner dans le pays, il y a tout bagaille ça, yo. Nous avons dit comment pour nous exploiter au mieux, pour qu'à servir bien être collectif, là. C'est ça la question. C'est ça qui justifie l'État. Et si nous-mêmes, nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas faire payer pour progresser. Alors, c'est pourquoi les États-Unis au sectoriel, qui l'a commencé? États-Unis au sectoriel, ils ont commencé déjà. Ils ont commencé déjà, parce que consultation a commencé depuis mi-septembre. Et, côté président, rencontré vraiment tous les secteurs de la société. OK. Maintenant, t'as gagné les thèmes de référence qui étaient faits pour, parce qu'une fois qu'on finit de faire consultation, on recueille des avis de Mounio, comment on t'a aimé orienté qui j'ai eu même participation là-dedans. L'offre fait tout ça à Kounia, ou obligé d'ajuster ça que tes thèmes de référence initial, yo. L'offre fait justement ça à Kounia, eh ben, faut qu'on crée, comme, équipe qui prenne vraiment animer, recueillir information ça, yo. Mais si vous voulez, l'aime de commencer dans le sens que consultation commençait depuis maintenant septembre, et Kounia, incessamment, en tout cas, arrêter, c'est, dans la semaine, ça va venir là, peut-être, lundi ou mardi, à bon arrêté qui sorti, qui nommé Moun, qui prenne piloter, question. Mais si Simdou, en termes de consultation que fait déjà depuis septembre, consultation a commencé, et orientation qui bouba yo bay, et puis, nous, ouais, comment société a recevoir l'idée de l'État général. De ce point de vue-là, l'État général a commencé déjà. Nous, après, sur le carrefour, invité une jeudi, hein, c'est professeur Wilson Nalo, qui est chef cabinet, directeur de cabinet de président de la République, là. Et, il y a plusieurs points à aborder là, mais il y a une qui est centrale, je dis, de plus en plus, président dit 24 mois, en fait, c'est ça, le dit, pour, affaires énergie, enfin, disons mieux, électricité dans le pays d'Haïti, hein. Est-ce que récemment peut-être un homme politique qui dit qu'est-ce qu'il y a moyen pour payer ta payer électricité à tout d'abord son priorité puisque c'est une levée de développement. Mais maintenant et comment louer et programme ça? Comment programme d'électrification? D'autant ça va coûter énormément. Le gouvernement était avant était chiffré aux environs de 600 millions de dollars. Qui côté d'abjoigny? Qui est-ce qu'a fait? Comment plan y est? Comment projet ça y est?
Bon, ma tout font petit boutade sur homme d'affaires qui dit que de n'importe quoi pour faire état et pour faire électrification pays. Moi, dis-moi, est-ce que le mesurer ce que ça coûtait que ne pas gagner électrification dans pays. L'écouter que ma pile dans bon cerveau pays a quitté pays parce que pas gagner cadre pour le travail. L'écouter que pas gagner suffisamment d'investissement qui fait et dans pays pour réduire des problèmes que nous gagnons d'après rencontrer aujourd'hui. Et le coûter des points de croissance extraordinaires que nous pas fait et qui fait que nous fait l'autre pays fait. C'est-à-dire aujourd'hui, l'homme besoin d'acheter une chemise, un soulier, besoin d'acheter par contre n'importe quoi produit transformé, mal prendre dans pays étranger parce que dans pays étranger, aujourd'hui, au courant, bonne qualité, moins cher. Donc prix produit par eux moins cher, donc tout le monde préférait aller prendre le pays ça. Mais si t'es courant dans le pays qui moins cher, dans Jérémy, gon côté dans Jérémy, dans zone grande, dans ce qui c'est une zone en pile gingembre en fait. On imagine un instant que nous t'ai développé des capacités pour transformer gingembre, pour t'ai pamplemousse, yam, parce que tout produit ça conditionnement pour avoir une température pour qu'un belli et puis pour qu'à exporter pour faire l'argent. Mais Mounio fait, on regarde les rives dans zone, c'est des zones de production, mais on parle Mounio riche parce que Mounio vient de manger. Mais c'est tout, il va faire l'argent. Alors que produit au gain, tu dois faire 10, 20, 50 fois valeur si tu es capable ici venir à l'international. On mango francique en Haïti ou acheter pour 10 centimes, 5 centimes ou river Bahamas ou acheter $4.50. Donc on imagine un instant que nous t'es capable joindre des moyens pour nous conditionner mango pour river. Donc ça veut dire l'homme on dit on pas besoin d'électricité, c'est l'excès aux conditions pour faire industrialisation dans le pays, pour faire progrès économique dans le pays. Donc, l'homme, on dit, quand on va jouer une corbe pour faire là, c'est pour te dire, est-ce que le mesurer comme une corbe ou perdu, l'on va faire. Donc, ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse. Et, 24 mois, le président prend engagement. Côté la jeune corbe pour faire, le président explique très bien. Parce que vous remarquez que, c'est, on dit, système électrique pour mettre en place là, livrement décomposé. Les décomposé en, j'en pays, j'en habite territoire, là. Par exemple, regardez, l'eau allée à la campagne, maison, habitat, dispersé. C'est que j'en ai un caille, et vous allez faire un kilomètre, j'en ai l'autre caille. Comment vous allez mettre courant pour une saoulie? Impossible, parce que coup pour porter courant, ben, mon trop cher, ou pas, j'en ai un café. Ok? Regardez l'autre petite commune, qui tout petit, qui gagne 20 000 mounes, qui a 30 000 mounes. Et puis, au même lieu, très loin, donc, grand centre de consommation. Pour me prendre courant, sortir dans le grand centre de consommation, là, l'a coûté cher. Eh ben, ça fait, il divise ce système-là en trois. D'abord, pour le monde qui vit à la campagne, eh ben, l'idée c'est des modules qui sont complètement autonomes. Ça veut dire, c'est au module solaire, oui, d'ailleurs. Et, vous remarquez qui j'en le fait, actuellement, il y a ben, mon module là, il y a cap, mettons radio, il y a branché, il y a chargé téléphone là-dedans, il y a 4 ou 5 ampoules, et dans le cas et puis même ampoule, ça a servi de torche, de flash, pour marcher dans le fait noir le soir. Et puis, donc, quand ils ont éclairé 24 heures sur 24, je dis, il y a plusieurs communes qui gagnent, plusieurs sections communales qui gagnent ça, et ils ont payé 125 gouttes par mois. Alors que calcul que vous faites de consommation de gaz pour, mettre dans l'ampe le soir, il était coûté 305 ou 315 gouttes par mois. Actuellement, ils ont payé 125 gouttes, ils gagnent toutes ces dollars là, et ils ont une possibilité pour le gagner radio en permanence, pour le gagner tout téléphone qui est dans le quartier, les charger, etc., etc. Donc ça, c'est déjà une première façon de faire. Deuxième catégorie, Mounio, c'est des gens qui sont dans des petites communes, qui ont des capacités pour mettre un petit réseau en place. Ça faut des réseaux qui, comme si c'est petit réseau dédié, mais qui parlent d'un gros réseau. Et ça, c'est par exemple, pour venir dans une petite commune qui a 20 000 mounes, pas qu'on est, pas les points, parce que pas qu'on est quantité de mounes, forcément, dans la tête, mais des petites communes qui isolées, parce que il y a 16 grandes villes dans le pays, il y a des consommations importantes, et il y a en ligne directe, son réseau qu'on a fait. Eh ben, 16 grandes villes, ça, eux-mêmes, ils ont rentré dans le réseau national. Et le réseau national, là, c'est troisième niveau. Donc, vous avez un petit réseau dédié, et vous avez un grand réseau. Maintenant, comment faire? Petit réseau, autonomio, c'est, yo, ben, mounio, petit module là, moun nan installe à Feli, 125 gouttes par mois, li paye pendant 2 ans, et puis, ben, la durée 10 ans, pas un problème, li gen courant, et en permanence la Kali. Ça, c'est premier bal. Deuxième, réseau, yo, ou même Alex, on dit, ou rive non ville, c'est 500 kilowatts que ville a besoin pour le consommer. On dit, ben, quand qui ville, on prend Chambellan, on prend le consommateur, c'est sans préjudice, m'a connu Chambellan, mais on dit Chambellan. Mais, gagner 130 petites communes comme ça. 130 petites communes, ça y est. Moun en de communes, on doit constituer des petites entreprises. Et puis, c'est $500,000, ou 300,000 dollars, ou bien $200,000, pour m'acheter un système. Et puis, qu'on est là pour mettre réseau, moins. Et puis, me vendre courant, et puis, me faire l'argent.
jodi a nan mol Saint-Nicolas nan Jean Rabel et zone Saint-Louis gen des projets comme ça qu'a fait côté c'est des projets qui autonomes c'est lui son ville plus gros avec Jean Rabel mais n'empêche que gen des projets un peu autonomes d'un coup dans les anglais d'un coup gen plusieurs côtés dans pays a côté projet ça commencé et m'kadou gen pile jeunes de la diaspora qui tournent et nous recevons pile projet de jeunes qui dans la diaspora parce que c'est une façon pour qu'on nous fasse un bon corps chaque année sans pas besoin faire effort parce que moun a vinn payer courant quand même c'est prépayé lié. C'est ou pas bien courant sous pas vinn c'est un coup quatre téléphone ou vinn payer ou dit payer 100 gouttes courant yo charge yo bon cartou ou alors brancher sous ou mettre sous compteur ou fonctionner 100 gouttes a fini ou pas bien courant et ou pas qu'elle voler sous câble d'accord c'est ça le système yo pralier donc avec ça ou que monter tient entreprise ou et pour qu'on ait on 50 ou 100 000 dollars qu'on fait de bénéfices par année on fonctionner tranquille donc deux trois jeunes qui mettent ensemble yo constitue ça au gain de capital et de savoir-faire yo monter petit réseau yo dans des petites communes qui vivent yo mais dans un gros communion c'est des commandes qui beaucoup plus lourdes parce que ça fait en fait c'est plusieurs mégawatts et des fois c'est entre 5 mégawatts jusqu'à 50 100 mégawatts à ce moment-là c'est des grosses entreprises qui va venir bider tous les deux premier appel d'offres pour 130 premiers communion sorti déjà et me crois que recevoir en pile offre déjà et me connaît un traitement actuellement. OK, maintenant pour Pigoyo, appel de faire sortir il y a une semaine et qu'on là, il y a des gros films internationaux parce que même dans Pipiti, il y a des gros films internationaux qui intéressent. Donc pas besoin de dans Goyo parce que grosso modo pays a besoin 1 gigawatt, c'est-à-dire 1000 mégawatts de courant pour fonctionner pour bailler courant 24 heures sur 24. Ouais. Mais problème c'est pas dans production courant et c'est pas l'état qui peut dépenser comme là, l'état pas besoin de dépenser comme là. Ça l'état a besoin faire c'est réseau a besoin faire. Et c'est ça fait là, que tu comptes l'état réseau. Réseau oui, le réseau c'est l'état qui gère et c'est ça qui fait que réseau électrique là qu'on est là et on cadre dans deux semaines et a gagné une première mission parce que déjà jeune offre déjà et gagner possibilité que dans deux semaines en tout cas. Ça me cadre c'est que réseau a lui-même l'état fait et que moyen pour faire il est déjà identifié oui. Oui. Les moyens déjà identifiés. Il est échelonné à combien à peu près? Réseau a coûté entre 350 millions. Alors, ma première réseau qui sorti de c'est le réseau métropolitain qu'on va construire en premier. Ah, ok. L'autre côté, ça, par exemple, Cap-Haïtien, Wanamet, il y a des réseaux qui peuvent connecter avec gros réseaux, mais il y a fait des réseaux localisés d'abord. Il y a fait réseau nord là d'abord, mais réseau qui pique gros, parce que zone Cap-Haïtien, zone ça va pas tellement un problème parce que gain Enrica et puis gain des côtés possible pour jeune courant au cap pour autant que nous d'accord pour payer côté bah la plus difficile c'est toute agglomération de Port-au-Prince. Ouais. Donc là gain réseau cap sorti Bois-Neuf et qui va arriver juste Léogane je crois et qui t'a censé permettre que courant pédigue là plus l'autre courant que pour l'acheter mais qui est privilégié solaire et éolienne. Et moins nous avons sorti dans la question énergie fossile, énergie conventionnelle, pour ne passer à l'énergie renouvelable. C'est modèle ça que nous privilégions. Mais en termes de production, c'est pas ça le problème. Parce que en termes de production, ou même ou qu'avine produit, problème c'est le réseau. Oui. Le réseau, c'est responsabilité de l'État. Et m'avouer que d'ici la fin du mois de mars, on attendait que le travail pour commencer le réseau. Réseau a fini. Est-ce qu'on pensait. Pas fini, commencer. On pensait dans 24 mois, et construction réseau a été fini. Oui, réseau. Oui. Proposition de jeune, oui. Réseau a fait. Fini. Réseau qui a sorti de Bois-Neuf pour aller vers Léogane. Oui. Alors, chaque zone, il y a un réseau par eux, mais interconnexion réseau, prenons l'autre étape. Oui. Mais dans ce projet, on va faire réseau dédié dans les zones. Alors, nous avons un déficit budgétaire qui 3 millions, 10 millions, pas songer. Moi, sur le journal qui a circulé de 9 milliards de gouttes de déficit. Alors, qui gagne plusieurs explications que Mouno Bajambay et qui est étonnant d'ailleurs. Et une première information à Baou, déficit qui gagne que vous observez là, lié avec le fait que le budget d'investissement, il commence à dépenser dès le 1er octobre. C'est un bagage qui est exceptionnel en Haïti parce que, traditionnellement, projet qui est inscrit dans le budget de la République, il commence à exécuter vers le mois de mars, avril, pour qui ça? Parce que où est-ce qu'on projette dans le budget? Faut faire tout protocole des doigts avant. Ça veut dire faut document projet a fini, faut qu'on passe par CNMP, faut passer par coup des comptes, faut tourner etc. Il prend au minimum 6 mois. Ça veut dire on commence à décaisser sous budget d'investissement pour nouveau projet son année fiscale à partir de mars avril mai. OK? C'est ça fait que vous remarquez travaux d'investissement toujours un problème, c'est sous fin d'année que vous avez une pile demande pour eux, mais en début d'année pas trop pression pour dépenses d'investissement. À moins que c'est pour investissement de l'année qui est déjà engagé sous des années antérieures. Mais nouveaux investissements ont une difficulté pour démarrer. Avec Caravan,
travaux investissement ont commencé immédiatement en octobre, parce que en pile de travaux ont fait en régie, c'est ministère eux-mêmes, c'est ministère de l'environnement qui a fait travail de réhabilitation des bassins versants, et c'est employé ministère de l'environnement, c'est employé ministère des travaux publics, c'est employé ministère de l'agriculture, c'est eux-mêmes qui travaillent, c'est employé ministère de la défense, c'est eux qui travaillent sur le terrain. Donc qui sont au besoin là, au besoin mettez gaz dans l'équipement, parce que l'équipement lourd ça consomme pile d'énergie, ou besoin payer per diem pour monde se délocaliser dans des zones pour aller travailler et dans zone yo, et pour besoin réparer équipement CNE, parce que équipement nouveau que le président acheté et que le gouvernement acheté, c'est pas des équipements qui besoin, c'est pas l'État qui a préparé. C'est un contrat qui passe, hein, que des firmes qui vendent, il y a pour le bail 12 000 heures de d'entretien, et puis si une pièce qui pas bon, qui est en panne, c'est pour changer, et s'il fait 60 heures, c'est ça, 60 heures, il pas travail, 60 jours, il pas travail, il est obligé de prendre un autre équipement. Si l'équipement tombe en panne pendant 60 jours, il est obligé de prendre un autre. C'est ça le contrat qu'il a passé avec eux. Donc ça, de ce point de vue-là, et gain dépenses d'investissement qu'il a fait. Donc c'est une explication. Mais, une plus grosse explication que Mounio Babaye, c'est le fait que le gouvernement s'est installé, gain ça a relé les engagements, les dépenses engagées. Parce que les dépenses exécutées, par exemple, l'ordonnance, on dépense, il doit exécuter, ou bien dans le circuit, pour exécuter. Si me dit pour payer Alex, on chèque 5 gouttes. Le temps pour venir passer, eh bien, il y a une bande de problèmes qui fait chèque là, pas sorti. Et puis, l'année fiscale l'a fini, il passe son l'autre année. Donc, tout ça, c'est des dépenses de l'année dernière qui transférées sur l'année qui vient. Le gouvernement s'est installé, dépenses engagées, il était représenté 16% des dépenses réalisées, des dépenses totales. Le président Martelly allé, dépenses engagées, ça veut dire des dépenses qui ont été programmées, pas pour exécuter, il était 4% des dépenses engagées. Le président Jovenel Moïse installé, il était 16%. L'opprès 16% de 144, 16% de 144, dit bon, on vingtaine de milliards de gourdes, d'accord. Et donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ça, c'est des bagages qu'on gagne et que vous programmez sur plusieurs années pour rembourser, parce que c'est des dettes qu'il a, que l'État gagne, faut payer. Ça, c'est une autre source de dépenses qui obligeait que dépenses publiques, yo gagne doit un peu décocher. Et puis, troisième bagage qui fait dépenses, qui fait mon dit tout bas, c'est que, il vient de parler de déficit. C'est le fait que, gain des mouns en Haïti qui réfléchissent économie, t'en coup, comptabilité. Et que, y'a pas comprendre, y'a pas où l'État fonctionne, t'en coup, entreprise, quelque part, de certains points de vue. Sous qu'on entreprise ou des entreprises a grandi, ou obligé d'investir là-dedans. Et investir, avait dit que, ou a dépensé, sans pourquoi forcément rentrer tout comme là, ou programmer qu'on va rentrer comme là sous 5 ans, sous 4 ans, sous 5 ans, sous 10 ans. Pas vrai. Mais ça valable pour l'État. Si l'État a besoin que, par exemple, je dis, dans la plaine des cailles, moun ka planté dans la plaine des cailles, faut gagner un instrument pour faire, pour rouler terre, faut gagner de l'eau, donc ça veut dire, faut faire irrigation, mais ça, son dépense que lié. Mais en fait, son investissement en réalité. Parce que je dis à l'offel, il va faire moun de planter poids. D'ailleurs, yon n'a pas aimé qu'à dire, ouais, autant de durie, récolte durie pour première saison, elle a sorti augmenté au moins de 30%. Mais pareil avec vous, récolte poids parle beaucoup plus. Parce qu'il me semble que c'est pas deux poids faites dans le pays pour qui ça? Parce que travaux d'entretien qui fait, parce que vous connaissez un pile tracteur que le président, que le gouvernement distribue dans la région, que dans plein de Gonaïves, que ce soit dans plein de cailles, eh ben, moun yo planté en pile. Soit en Haïti, ou passez sous route, ou passez sous route, non. Vous regardez volume, fruits, ou dit, mais, bon prospérité, cap tout le monde, m'abdouli. C'est une rare fois, c'est une première fois, au moins sur beaucoup d'années, que l'on descend sous route, non, ou autant de produits sous bon marché, sous bac mounio. Ça veut dire, pays a commencé à renaître. Donc, l'idée, bah, ça, pour le fait, faut qu'il y ait investissement. Donc, sous la technologie comptable, vous dites, c'est 5 gouttes de gagnant, c'est les maps dépensées, ou pas qu'à créer emploi, ou pas qu'à faire investissement. M'abdou que, l'autre dit qu'un déficit budgétaire, ça veut dire la vie d'augmenter la dette publique. Mais la dette publique, haïtienne, je dis, à combien il est? On dit 30% du PIB? 30% du PIB, combien il est pour les États-Unis? 110% du PIB, 110% du PIB. Ça veut dire plus que le PIB américain, c'est ça la dette américaine. Mais pour Américain qu'un B, Jean Lier, l'objet investi, l'objet dépensé, pour qu'à créer emploi, pour qu'à faire entreprise prospérer. Le fait que gain dépensé au café, dans l'une fait que dans la plaine des Gonaïves, qu'on information que me gagne, c'est que, en pile, moun content, parce que gagne de l'eau crivée dans plein, non, moun commence à planter poids, dans plein du cul de sac, je veux dire, mais, ça fait besoin qu'on vienne pour aller visiter, car avant d'aller qui travaille, qui fait sûr, pour un volume d'activité qu'on fait, et qui permettent que, je veux dire, gagne emploi, mais gagne des biens qu'on produit dans l'économie, eh ben, ça veut dire, activité, ça, qu'on crée, hein, il pourra permettre que moun fait plus revenus, il pourra payer plus taxes, l'État a repayé dette, non. Mais s'il me dit, faut me, je voulais faire investissement,
Moi voulais gagner croissance même pas venir investir. Parce que où est le problème pour on dette on déficit pour son problème, c'est si déficit après pour financer des besoins de consommation. On prend m'acheter payer salaire et puis pas qu'on aime payer des monde qui fait manifestation dans la rue, c'est là ça dépense son mauvaise dépense. Mais si me font dépense et puis c'est la ravine du sud que le permettre me curer. Donc ça vient de faire que tout le monde qui était dans la ravine du sud qui fait jardin bon rivière, il peut pas du jardin là qui a pu tomber. Moun pa gen kayo perdu, pa perdu bétail le ça arrivé. Moun ki gon investissement le fait pas perdu, moun ta gon kay m'a fait pas perdu. On moun ki gon terre qui inondé des côtés, il pas faire des travaux là-dedans ou bien qui aride dans période qui pas gen problème ça parce que il a fait drainage et il a fait curage et en même temps il a fait des travaux de comment dire de renforcement de d'infrastructure. Donc si nous besoin de croissance dans pays, il faut gen investissement. C'est pas mandé pour demander tout le temps. Donc et moun kap di sa yo même blié parce que m pral bon chiffre. Non accord ici avec Fonds monétaire. Fonds monétaire reconnaître que un l'état haïtien gen droit fait 1 point, c'est 1.8%. Non 0.8%, je dis une bêtise. 0.8% du PIB que gen droit prend de dépenses supplémentaires comme si un déficit supplémentaire que a fait pour qu'a financer et les travaux de relèvement économique plus des dépenses qui occasionnées par post Sandy. Ça veut dire même dans le programme que fait même fonds monétaire qu'on a dit qui très conventionnel très rigide, il reconnaît que l'état est prend 0.8% du PIB. 0.8% de 8 milliards, c'est beaucoup quoi. C'est beaucoup d'argent ouais, pour Haïti. Hein. Pour Haïti. OK. Et l'idou ou gen apprend des dépenses exceptionnelles tout pour et financer les dépenses post Sandy. Donc ça, moun yo néglige, et puis il y a une logique de comptabilité stricte, pure et dure, pour dire, ah, et c'est ça l'état rentré, c'est lui pour le dépenser. Si c'est ça l'état rentré, c'est lui pour le dépenser, yo pap jam ka remettre moun qui pète du caillou dans le studio, dans le caillou, yo pap jam ka curer rivière yo pour faire que yo protéger bien moun yo, pour moun à l'investir pour gen emploi créé, yo pap jam ka créer richesse dans le pays, parce que le pays est extrêmement vulnérable à cause du fait que travaux d'infrastructure, ça n'a pas jamais fait. Donc je dis fait travaux d'infrastructure ça est-ce que c'est au plus bon ou bien pour me calculer est-ce que gain plus score ou gain moins est-ce que l'état dépensé plus ou l'état dépensé moins c'est pour garder est-ce que l'état bien dépensé ou bien c'est l'état mal dépensé c'est ça la question qui doit être posée c'est pas de dire que mon déficit de 9 milliards parce que déficit de 9 milliards est-ce que mon doit manger 9 milliards de gouttes est-ce que well 9 milliards de gouttes mais si gagne parce sous douce ou pas faire est-ce que la bénéficier personne mais sous rive même dou parle avec des moun dans radio là ou gain moun qui a coûté mandé moun nan sud ça qui passé pour yo mandé moun nan plein du que de ça qui a passé pour yo mandé moun nan sous route yo qui a construit ça qui a passé pour yo si moun pas content ça qui a fait yo mandé moun nan plateau central avec tout pont qui a construit si yo pas content et ben ça à partir de ce moment-là on dit est-ce que c'est bien dépensé ou mal dépensé parce que une fois qu'on fait travaux d'infrastructure ça le fait il permet qu'on améliore productivité économique. Améliorer productivité économique ça veut dire permettre qu'on crée plus richesse mais permettre qu'on crée également plus emploi et vous fait moun pi bien content et c'est ce genre pour bien faire progrès donc question ça yo faut nous sortir d'un paradigme que notre là dans le depuis 82 qui dit si vous me dépensez 25 gouttes faut mal mander là à l'international oui faut ne pas dépenser en désordre n'est-ce pas mais oui également faut faire dépenses d'investissement qui est important qui stratégique yo, parce que ne pas attendre cyclone retourne encore pour moun qui t'est perdu caillou qui est dans goutte là pour rester dans goutte là faut refaire caillou et nous connaît avec des maisons en gabion l'état justement l'état vient avec des modèles de caillou aujourd'hui hein, c'est 7000 dollars le coûter pour faire des cailles mais c'est des cailles correctes avec confort moderne là-dedans qui fait en gabion et qui très moderne qui fait par une équipe de jeunes Jacques Mel qui prend des formations en Espagne etc et qui fait des cailles dans le sud de la Grandance pour remettre monde qui était perdu caillou et c'est quand même c'est 2000 cailles que me connais à fait là que yo ba tête défi pour faire d'ici l'été. Donc ça avec qui ça pour financer yo pas ben moun yo cailles. Donc là moun yo dit oui et 9 milliards de gouttes de déficit. 9 milliards de gouttes de déficit, ça veut dire 140 millions de dollars. Et 130 millions de dollars américains. Et pour un pays, c'est bon, en tout cas pour un pays de dimension d'Haïti, son bagage qui est nécessaire pour nous kembe. D'ailleurs, m'abdou, même Fonds monétaire dans le programme Fonds monétaire, si vous voulez m'a pas résumé le programme là-bas, ou après que Fonds monétaire reconnaître que l'État doit prendre 0.8% de déficit pour le cas assurer investissement stratégique ça. Professeur Wilson Nalo, il a ma patrice, ma économiste là et pour qui ça parce que gagner une décision à prendre, est-ce que son dédollarisation dont veut faire d'Haïti alors son mesure qui se tient en ce maintenant ont arrêté qui est constitutionnel d'ailleurs. Maintenant, qui est pas qui avantage que ça prendrait pour payer quoi. Qui est pas dans la société ça prendrait. OK.
impact yo. Les impact yo, un pire impact positif. Le premier impact positif, les psychologiques d'abord, parce que son pays nié, font une monnaie. Et faut pas oublier que pour monde qui étudie économie, qui étudie sciences politiques, on connaît, il y a un premier instrument de souveraineté en pays, c'est la monnaie. Et en Haïti, nous par contre qui monnaie d'ailleurs autant de monnaie de dollars haïtien. Haïti pas un dollar, Haïti une monnaie qui est la gourde. Donc ça veut dire son pays qui tellement abdiqué toute bagaille, il abdiqué même nomme, c'est que bagaille qui pouvait faire identifier nous. Nous pas reconnaître, nous préférons parler de dollars en Haïti que de parler de gourdes en Haïti. Ça, c'est le premier problème que nous besoin régler. Parce que, comme on était dit tout à l'heure, soit penser, déterminer soit abdi. Soit abdi, déterminer soit déterminer futur. Donc, pays a passé misé, parce que pays a pensé tête li mal. Et pays a parlé de tête li mal. D'ailleurs, tout Haïtien, pour parler d'Haïti, c'est sac mal, ouais. Dès l'arrivée, ouais, une route qui commençait faite, route a commencé, c'est 10 km, vers 5 là-dedans. Je dis, ah, route a pas fini. Même si pas dit, oh, bon Dieu, il y a 5 km, c'est déjà pas bien mal. Haïtien, pas positif. Faut commencer à changer narratif, là. C'est l'un de changer narratif, là, d'attirer des zones positives sur le pays, là. Donc, misère, si il y a un problème en Haïti, c'est Haïtien qui est responsable parce qu'il y a même plein trop. Ça, c'est pour les barres, là. Donc, la monnaie, son instrument de souveraineté nationale, faut que nous défendions. Deuxième bagaille. Majorité moun kap travay nan peyi yo, sans goud yo touche. Moun yo touche 250 goud par jour, le salaire minimum. Mais 250 goud, lè yo touche la avec un dollar qui, oui, venons nou market ou à l'acheter, nè la dou 10 dollars. Quand on pa gen 10 dollars, ou di yo paye un goud. Mais 10 dollars, sou gen 10 dollars ou paye, si ba nan se, on di, ou bien on di 1 dollar, c'est 65 goud. Et puis bon, si m gen 1 dollar, m paye 1 dollar, ça veut dire 65 goud m paye. Si m pa gen dollar, li dim, ah, faut bon 70 goud pour m'acheter bah là. Ça veut dire, non seulement mon enfant bénéfice sous bien le tap 20 000 à 65 goud là, qu'on a le fond bénéfice sous variation de change, non. Que l'imposé, parce que le monopole, les m'apachés dans maintenant, c'est de, nos situations de monopole moyen, l'imposé, ça veut dire, moun sa yo, y a déterminé le taux de change. Y'en a un facteur explicatif de l'instabilité du change, non. C'est que tout moun a trouvé yo, marchand de change, dans la rue. D'ailleurs, après, marqué dans le décret, et dans la constitution, et dans le décret qui prend sous président avril en 1988, il était interdit que le monde qui a fait commerce, si m'a vendu viande, m'a vendu chemise, m'a vendu radio, m'a vendu téléphone, il est interdit que m'a vendu dollars tout. Moi, je remarquais, on entrait dans le supermarché, m'a vendu dollars. Mm-hmm. Ça veut dire, l'État, et c'est tout bien, ça m'a dit, là, comme si leurs règles de droit, leurs normes pas respectées, ils viennent affaiblir l'État. Et c'est une question, ça, pour commencer, ouais, bah, là, pour que l'État vienne faible. Donc, là, c'est une question qui est bon, pour permettre que l'État, qui est bon pour aborder, pour permettre que l'État lui-même, lui, occupe un territoire qui pour lui, et c'est pour bénéfice tout le monde, là, puis bon. Donc, ça vient faire que, il y a moins de spéculation, et il y a moins d'abus qui fait, le consommateur final, qui, majorité, là, c'est good, yoga, n'a-mer. Maintenant, qui est-ce qui plaint? C'est des gens qui gagnent de l'argent, n'a-mer. Qui a fait transaction en dollars. Mais majorité population pas concernée par bagaille ça. Et troisième bagaille que le gagne, c'est que une fois que le prix a affiché un goût, parce que soit besoin de retirer la tête, c'est la mentalité dollar. Faire rété, mentalité goût. L'arrivée en République Dominicaine, là, à côté, là, ou à l'acheter un bien, sous un dollar dans la main, ou pas qu'acheter rien. Mais en tout cas, tout le monde a le Saint-Domingue, mandé au monde, est-ce que les gens arrivent à Saint-Domingue, alors que, Américains qui ont investissement dans le domaine, grand pile américain dans le domaine, ils ont plus de dollars passés nous. Est-ce que j'en arrive au côté en République Dominicaine ou qu'à l'acheter en dollars? Ou pas qu'à l'acheter en dollars en République Dominicaine? Ou à transformer dollars en peso et pour le payer en peso. Ou gain dollar n'est là de non, monsieur, il pas qu'à prendre la main. Il pas qu'à prendre la main. Ok? Ça vient de permettre que peso a lui-même l'irrité au monnaie stable. Monnaie pas nous instable parce que tout le monde a manipulé, change, non. Son variable qui est extrêmement fragile et c'est des mesures inconsidérées que nous prenons sous le change depuis 25, 30 ans qui fait que nous cassons toute la petite industrie en Haïti. Mais expliquez-le pour moi, si on va être trop technique, pas rentrer là-dedans, mais ça me casse. C'est que le change, c'est pour bagaille, c'est qui a provoqué guerre. C'est bon, bah, c'est facile que lié. Moun pas, gardez, songez, le n'a sorti dans le système étalon or, le Nixon décidait que le décoller dollar de l'or, qui catastrophe que le déposer dans le monde. Et t'es fait des crises, jusqu'à ce que t'entendais des programmes d'ajustement structurel, obligé de mettre sous pied, et ont commencé, c'est une des facteurs explicatifs des programmes d'ajustement structurel, c'est le décrochage du dollar par rapport à l'or. Donc, faut moun yo comprendre, ça va aller, pour connaître que nos pays, qui besoin relancer l'économique, faut gagner en visibilité sur l'avenir du change, sur l'avenir de la monnaie. Faut que stabiliser la monnaie. C'est pas un coquetterie lié. C'est pas parce qu'il y a besoin de nuit, au contraire. C'est parce qu'il y a besoin de protéger malheureux. Monde qui a acheté bien, pour qu'on ait que prix bien, lui fixé a priori, et que l'on venir, monde pas qu'à manipuler valeur sur vous, et j'en ouvre. Est-ce que le baron risque de marché noir, éventuellement, que on dit, bon, écoute, là, on va nous barrer, mais le jour, soit un tel autre qui gagne, pour le créer en rareté, pour le cas peut-être faire, est-ce
que nous avons capacité de contrôler à travers le ministère du Commerce? Marché noir, quoi. Marché noir, par exemple. Moi, je vais dire que, bon, j'ai tant gaz pour me vendre, tant chemise pour me vendre, j'ai besoin d'urgent, autant sérum, par exemple. Mm-hmm. Et puis, bon, l'autre, je dis que, ah, bah, non, là, c'est tel autre qui gagne, mais priant. Il n'y a pas créé une rareté de produits sur le marché. Est-ce que vous risquez oui, ça? Mais l'État qui prend une décision de parce que c'est ça qu'on prend là, c'est rappeler une loi. C'est pas, ouais. c'est constitution, pas, on, c'est on, rappeler la constitution. Ouais. C'est mettre des dispositions de la constitution en application. Donc, c'est pas une invention, c'est pas un nouveau que lié. Sauf que chaque fois qu'on prend, le gouvernement passe toujours gagner énergie et courage pour assumer parce que, il y a des groupes d'intérêt qui peuvent chercher à faire des stabilisations. Par exemple, ça t'explique comment des mouna fait de l'argent avec le change. Ou vient acheter une chemise, vient acheter micro à la main, moi, d'où c'est $50. Sous que $50 au pays, sous baguette, monsieur, d'où, ou dit $50 multiplié par 60, ça fait $300. On dit 150, 1500 gouttes, on dit, c'est ça? Et, on dit 3000, ça fait 15000 gouttes, je sais. Okay, pas. Okay. Ouais, ça me plaît, d'où là. Ouais. Okay. Au lieu que me paye 3000 gouttes, m'acheter, téléphone, non? Microphone, non? Comme moi, pas gagné $1, il vient coûter 4000 gouttes. Ouais. Donc, on a fait spéculation. Parce que, ils ont autorisé l'utiliser de monnaie. Mais si on gagne de monnaie, on est pris avant d'entrer. Ils ont dit, c'est 300 gouttes. Si monsieur lui-même, il décide qu'il prend le mettre téléphone, non, 400 gouttes. Alors qu'en réalité, téléphone, n'a qu'à 2300 gouttes. Ou l'État s'est assuré que la concurrence n'est pas chère. Monsieur a mis le téléphone, à 300 gouttes. Mais comme c'est pas lui-même seulement qu'à 20 téléphone, 400 gouttes, qu'à 20 téléphone, il y a des mounes qui connaissent bon pour font bénéfice de 20, 10, 15, 20% confortable à 300 gouttes. Il y a des mounes qui ont vendu à 300 gouttes. Donc ça, pour l'État assurer, c'est retirer position de monopole dans produits sensibles. Et ça fait que des produits stratégiques dans l'économie, il faut l'État assurer que n'est pas qu'à faire ce qu'on va dire là. Ça veut dire question de gaz. Est-ce qu'aux États-Unis, bon, voilà en Haïti, où toute bataille qu'a fait, soit fait gaz, soit fait un centre de produits stratégiques. Est-ce qu'aux États-Unis, on connaît un individu qui a qu'à acheter gaz dans un pays étranger? C'est l'État américain qui a acheté gaz dans un pays étranger. Même si tout le monde a pour vendre, mais on prend la partie d'importation du ministère des Finances des États-Unis qu'on doit vivre là, je veux dire. C'est stratégique. Prends tout pays sous la terre produit stratégique que c'est l'État qui occupe. Je veux dire, ouais, mon abou, mais pour faire route. Mais gros route qui sont solide, qu'est-ce qu'il fait aux États-Unis? C'est l'armée américaine qui construit. Par contre, si mon est conscient, mon a vivre dans le pays, il n'y a pas de ça passer dans le pays. Ouais. En Haïti, mon comprend qu'il doit quitter n'importe qui, mon, vient faire n'importe qui ça pour le faire chantage avec l'État. Produit stratégique, c'est l'État qui gère ça. Parce que n'importe qui groupe qui apprend et puis renverser le gouvernement, fait des ordres, etc. Donc, de ce point de vue-là, les produits stratégiques, l'État prend le connaît, et bien, parce que, faut me dire, ça c'est étape 1. Parce que son pays côté économie est hyper central, hyper concentré. Comme si chaque produit, il y a un grand monde qui contrôle. Et grand monde, ça c'est les dictés prix. Et comme les dictés prix, les dictés humeur, mon Dieu. Parce que, on peut l'acheter un sac ciment, ou qu'on ait hier, c'est 5 gouttes de vente, demain matin, on gagne qui gagne, et puis il disait 15 gouttes de la vente. Ouais. On peut l'acheter. Donc, on a acheté, ou l'État s'est assuré que ça n'est pas possible. Ouais, professeur Lalogue, il y a une question au cratère de l'empile dans la rue, l'empile, mon Dieu, que, conseil de monde qui a un monopole, c'est parce que, mon ça, l'élection, ils ont financé députés, sénateurs, présidents, et ils ont vindaisé un droit. De facto, qui permettent qu'ils ont une certaine liberté d'agir dans le pays sans risque pour y inquiéter. Ça, c'est une réalité et tout. Est-ce que vous rendez compte que vous n'avez pas pris toute barrière à la fois? Il y a deux messages pour retenir nos sources. Je vais passer à partir de ce que je dis. Premier message, là, on prend les États-Unis lui-même, côté de la vivre là. Nous sommes dans les années 20-30. C'est un pays qui a gagné 2-3 groupes mafieux qui ont contrôlé l'économie et qui ont contrôlé des monopoles sous certains secteurs d'activité stratégique. L'État américain est rentré, il mettait pied dans un jouet, et puis il restructurait. Bah, ça, le vin fait qui ça? À l'époque, dans 1920, des pays d'un coup, l'Argentine était beaucoup plus riche que les États-Unis. Mais parce que les États-Unis viennent libéraliser le marché, ça, ils organisent bah, ça, les États-Unis viennent la plus grande économie du monde. OK? Mm-hmm. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, la République dominicaine à côté de nous. T'as à peu près les mêmes problèmes d'Haïti. Mais je vous dis, vous remarquez, il y a même dit qu'il y a quelques milliardaires en République dominicaine. Ou à regarder son économie, qui, ça fait 20 ans, 25 ans que Négo prend à quoi de comme ça. Parce que Négo, il s'est mettait de l'ordre dans le pays, yo. Et on connaît que, il y a des positions de monopole qui nuisibles, il y a cassé, yo. Et puis, il y a ouvert marché, yo. Et là, il y a cassé monopole, ça vient de passer. Monde qui est compétent, il y a toujours une plus riche. Parce que, quand il y a 6 000 milliardaires, mais milliardaires, vous faites dans le contexte de concurrence. Alors qu'en Haïti, nous avons des monopoles, mais c'est une bande de petits business rachetés qui dans le pays. Donc, monopole, là, ça le fait. Non seulement le pas fait monde riche, mais l'appauvrit pays, et puis il mettait tout le monde dans la misère. Donc, résoudre le problème, ça, c'est des bagailles qui m'ont dit, pour nous comprendre, que l'heure est plus ouverte,
Ça veut dire que au lieu que ces 5 haïtiens sous 11 millions qui acheté produit là, c'est 11 millions qui acheté là. Laisse-moi qu'un pire riche. M'a dit, t'es pas un économiste, c'est un industriel américain, Ford, John Ford, qui te dit, on riche, il a fait une belle automobile très bien, très bon, pour le vendre pour 1 million de dollars. Pour mon faire une collection, pièce de collection. Mais on riche, il dit bon, il faut faire compte en Corée, mais riche n'a pas fort venir riche. Riche n'a pas venir faire développer l'économie. Si besoin de développer l'économie, c'est tout le monde qui peut acheter. Donc, le problème qui est en Haïti, c'est que trop peu de monde qui acheté, parce que nego atrophié l'économie. Et puis, il y a besoin de connivence avec l'État, et il n'y a pas de connivence avec eux, ils ont attaqué, ils ont fait tout ce que vous voulez, ils ont fait instabilité, ils ont dénoncé, etc. Mais, c'est expliqué pour expliquer, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas pris le temps, pour regarder ce qui a passé autour de eux. L'autre pays, comment nous devenons riches, c'est parce qu'il y a plus marché à développer, marché intérieur à développer, et c'est marché intérieur qui va permettre que, ou j'ai une rampe de lancement pour aller en international. Si produit pas, m'en pas, en fait test pour moi, si produit pas, parce que l'homme finit faire produit pas tout bon pour mal exporter. Faut qu'il y ait marché. Ça que fait la Chine résister, y compris le théorie, gros résistance avec les États-Unis, ou sont en 1992, gros bataille qui était avec le Japon. Ben, pourquoi pays ça te fait résister? Pays résister parce que la caillou, si Japon a 80 millions de monde, il y a 80 millions de consommateurs. L'œil font automobile qui part à vendre aux États-Unis, non seulement qu'à consommer lui-même, mais elle joue une région bassin de pays dans la zone de la Caraïbe, l'Ivan d'Ottawa, qui permet que aucun bien industriel vivante, et qui fait, permet de rester, et pour continuer à faire concurrence. Mais s'il te fait seulement deux ou trois pour le faire chez pour vous vendre trois unités à l'international. Le américain pas de lâcher dans le business n'a pas crasé. Ou bien le, parce que pas de marché local qui peut te servir de ressort. Donc ça fait que pays a nous gagné un gros travail pour nous faire, pour nous moderniser et structure de marché, qui pour permettre que c'est pas cinq mounes qui cachent, c'est tout haïtien qui cache. Mais remarquez, c'est là, il y a des gros problèmes en Haïti. Et ça nous dit dans pile avec Chambre de commerce d'Haïti. L'homme prend 4.4 millions de timounes qui a l'école en Haïti. Mais 4.4 millions de timounes, si au chaque prend 12 cahiers par trimestre, ça fait au moins 36 cahiers que chaque timoun utilise. L'homme prend 4.4 millions de timoun qui utilisait 3.6, pardon, qui utilisait 36, non, comme t'as dit. 36 cahiers. Ça vient de faire presque, par contre, 4 fois 36. Ça fait 120, presque 150 millions de cahiers que y a utilisé dans le pays. Bonne image d'être en entreprise dans le pays que t'as construit, t'as fait cahier et que t'as fait un cahier à 10 goudes. Ça te fait 1 milliard 150 millions de gouttes. Par contre, tu comprends ça, Abdoulala. Ça veut dire qu'il y a des marchés qui là qui captifs, nous ne pouvons pas exploiter. Et puis, on a passé un petit business, comme si nous besoin bien, comme si de connivence avec un ministre, un directeur général, pour nous faire un petit coup avec l'État, au lieu que de développer le secteur d'activité. Est-ce que tu préfères aller porter Kaya de l'État? Est-ce qu'un pire exemple comme ça, qu'on est sur ce barana, exemple Kaya, ou pensez, je veux dire, que le marché a ouvert pour un pile bagarre encore des besoins qui satisfait? Par exemple, si tu as quelqu'un qui gagne, ou même des milliers, ou gagne 10 millions, ou gagne 10 millions, ou gagne 11 millions de monde, 11 millions de monde, ils ont mangé. Ils ont utilisé un brosse à dents. Ils ont utilisé dentifrice. Ou d'accord? Ils ont utilisé savon. Ils ont mis uniforme l'école, ou bien l'école. Ils ont mis souliers dans pied, ou tout ça, m'abdoula là, et bien, on continue, ils ont mis sacs d'école dans dehors. Ça, c'est autant d'industries qu'a développé dans le pays, à demain matin. Pour autant qu'on respecte des normes de qualité minimale. À part aujourd'hui, il y a un Africain qui font un sac, par contre, c'est Sénégal, je ne sais pas lequel. Un pays africain, côté un jeune, invente un sac, et qui, comme il y a des côtés, il fait noir, pas de lumière le soir, sac là, l'heure sort de l'école, il dans le soleil, et puis sac là servit de lampe pour l'étudier le soir. Mais actuellement, sac, ça fait le tour de la planète. Qu'est-ce que ça prend? Ça veut dire d'abord le faire tout petit Sénégalais, c'est dans le Sénégal, faire tout Sénégalais a utilisé un sac, mais on imagine combien de pays sous la terre qui est intéressé à faire un sac comme ça. Donc, entrepreneurs en Haïti, yo manqué, une volonté pour aller à l'assaut du marché national d'abord, avant même pour ne pas penser le marché international. Ça veut dire que tout le monde a besoin de jouer un petit monopole, pour vendre 3-4 bagailles, n'a pas pour aucun risque. Et puis, bon, et puis, il fait ticobli, il couche, il a joué domino, des bagailles, on s'en vient, l'acheter yach, là, le vivre Saint-Domingue, ou vivre vive ma amie. Donc, c'est ça, pour nous besoin changer mentalité, yo. Et pour nous changer, yo, c'est la diaspora. Moi, convaincu
que l'avenir d'Haïti, l'espoir d'Haïti, c'est les jeunes de la diaspora. Mm-hmm. C'est les jeunes qui entrent dans l'université, qui étudient, ou bien des jeunes entrepreneurs qui voulaient tourner dans le pays d'Haïti, qui peuvent fondre. Parce qu'ils ont de l'autre valeur qu'ils viennent développer. Alors, parce que vivre aux États-Unis, ils ont de l'autre valeur. Il n'y a pas question ça. Par expérience, enfin, professeur d'université, économiste, directeur de cabinet, je veux dire ministre, qui ça problème qui peut à l'auteur que Maroné Noir dans le taux de croissance 10 soutenu pendant période 10 ans, qui ça a besoin, qui ça crétine, qui ça pour nous fait, je veux dire. Investissement de besoin. Mm-hmm. Mais investissement de besoin. Étranger direct ou investissement national et international. Okay. Mais remarquez que Haïti, c'est son réel frontière économie. Ça veut dire, son économie, c'est une économie qui gagne des ressorts pour faire des fortes croissances très vite. Mais sauf que, il y a trois gros handicap pour lever, que me relais, et ces trois grosses insécurités que nous besoin résoudre. Son insécurité, d'abord, judiciaire, problème que vous gagnez, lorsqu'on conflit avec la justice, il perd du trop de temps, ou souvent entrepreneur, ou un dossier dans la justice, il a fait 2 ans, 3 ans, pas réglé, alors qu'on prête ton compte la banque, c'est chaque mois pour payer, donc si ben là, pas qu'à résoudre, l'entreprise a fait faillite, parce que, c'est ça, me tout pays a pas, le système politique haïtien pas, il est anti-développement, il pas organisé pour le comprendre ça. Donc, système judiciaire, là, juge là, ça pas dit rien, il dossier arrêté dans le main, il pas occupé, il, etc., etc. Et puis, on moun gen droit, d'ailleurs, en Haïti, ou gen a fait kayou, ou vive nan kayou, ou gen 50 ans à vivre nan kayou, et puis on est levé au matin, là, le jeune juge, qui vient relo, qui dit, kayou, ça, c'est pour l'île, c'est l'île qui est construit. Quand c'est, vous pouvez faire démonstration, bah, juge, c'est pour kayou, là. Et si vous même pas au courant, parce que vous avez d'abord des défauts, en même temps, des débarrés, m'a vu apprendre des nouveaux concepts qu'on y a, des jugements soufflés. Ça veut dire, là, on doit, lui dit qu'à là, c'est pour lui. Et puis, vous voyez, exploit du CIA, bah, où, vous voyez les noms adresses qui parlent pour là, ou pas au courant. Juge a dit ou pas venir au bon jugement par défaut. Il y a bon 30 ou 45 jours pour venir corriger ça. Ou pas au courant. Et puis, 45 jours a passé. Et puis, moun qui revendique le cala au matin le vini. Et puis, au mettez dehors dans le cala, c'est pour le cala. Et ça, le système judiciaire haïtien permet ça au possible. Ça veut dire que l'insécurité, ça, li aussi longtemps que nous n'avons pas qu'à résoudre, li, nous n'avons pas qu'à attirer investissement et investissement de qualité. Ouais, je viens de 2-3 moun casse-cou qui faisait des investissements difficiles. Mais la justice, le système judiciaire, li, c'est une condition sine qua non pour nous avancer en matière d'investissement intensif et fort dans le pays. Deuxième grosse vulnérabilité, c'est la vulnérabilité environnementale. Nous sommes abdouli tout à l'heure, là. C'est que, avant qu'il on l'a plus, tout côté cyclone passé, ou quand, moi, mon cas mourir, de mon cas mourir exceptionnel, même pas que toute quantité de monde soit mourir, parce que rivière ou pas curé, parce que, et peut-être bon, yo complètement déboisé, parce que, souvelé, et canal, yo bouché, mon yo jeté fatra dans la rue, hein, n'importe qui, Jean, qui vient faire que n'importe qui investissement qu'a fait demain matin, qu'a fait d'huile. Parce que le gain mauvais temps, eh bien, mauvais temps, emporter son féo, si son jardin, si son caille, quoi, construit, n'importe qui ça, car la rivière débordée, déjà. Donc, c'est, insécurité environnementale là sont qui majeur, faut qu'on investisse là, ça faut regarder. Ouais, président c'est deux yeux fermés, lui investit pour voir comment pour curer les 384 parce que 384 rivières qui en a payé pour voir comment curer au maximum là-dedans pour protéger investissement mounio dans zone côté au Brelfel là. Troisième grosse insécurité, c'est l'insécurité sanitaire. Ça veut dire gros problème, l'homme monde malade dans pays. Si vous même vous êtes investisseur, vous avez 50 ans, vous avez 60 ans, vous avez quelques insuffisances, etc., qui demandent qu'on contrôle, qu'on fait des contrôles médicaux chaque fois. Mais si, pour un oui ou un non, vous êtes obligé de faire un avion ambulance pour vous chercher pour aller dans un pays étranger, pays ça part un pays qui est sécurisé pour vous, pas venir là-dedans. Donc, résoudre le problème, ça, c'est des gros défis, et c'est à faire avec secteur, état général sectoriel, pour permettre que le dossier, ça, vous abordez, et pour voir comment des problèmes qui étaient posés, pour certains pays, par exemple, la République Dominicaine, il y a des bails qui résoudent, c'est comme si ça fait 15 ans, 20 ans, qu'ils résoudent. Et depuis, au fin de résoudre, comment investissement intensif en fait la caillou, des Allemands, des Japonais, des Américains, tout le monde a bien investi en République Dominicaine, parce qu'ils résoudent ensemble de problèmes. Et il y en a pas qui ne peut pas mettre comme une sorte d'insécurité, mais lié avec lui, c'est la question de la formation professionnelle. Ça veut dire la régulation du système d'enseignement. Ça, sont l'autre gros problème qui vous donne main d'œuvre qualifiée, qui vous fait travailler qu'un besoin. Mais là, une fois de faire ça, vous remarquez ça, c'est pas forcément pile comme vous demandez, mais vous demandez pile volonté politique, et vous demandez, parce que l'opéral entrer là-dedans, vous avez déplacé des intérêts. Et à le dépasser des intérêts, ça veut dire qu'au café, on prend un coup de fusil, on prend des dénonciations, on prend des mouvements politiques qui ont dénoncé, qui ont raconté n'importe quoi. Tant que vous remarquez, moi-même en 2016, 31 mai à 1er juin, j'étais qu'à mourir en Haïti.
Et ou remarquez, nego te font plongaille, ou dit, c'est Petro Caribé. Parce qu'il a cherché un bagaille pour mettre sous dôme. Yo dit, on est qui ministre des Finances, faut jouer un bagaille sous lui. Nego met interdiction de départ sous moi. Sur un plan personnel, justement, nous devons arriver à la question ça. Est-ce qu'on a l'impression, ou il y a des gens qui visent eux? Est-ce qu'on a l'impression, ou sont empêcheurs de tourner en rond, quelque part, ou nuit, un système, ou soit des gens? Est-ce qu'on a l'impression, ou il y a des adversaires dans ce sens-là? Alex, moi, je suis un acteur politique, mais je suis un adversaire quand même. Mais ça, terrible, c'est que, c'est pas des adversaires politiques dans le sens qu'on prend et noble du terme. C'est que, ou bien des mounes qui fait au métier d'assassiner tout le monde qui en facio, ou bien que, ou même pas d'accord avec moun, même si moun n'a pas gagné avec eux. Et, l'homme doit assassiner, ou assassiner moun n'a déjà pas caractère, il lynché suffisamment. Et pour venir faire que monsieur, il réduit dans la société. Et pour venir faire que lui-même, il n'a pas une existence sociale acceptable. L'homme prend et ou ça dit si m'gain des adverses des mondes qui pas venir même penser que li normal tant que tout monde dans pays a ou gain monde qui est mort gain monde qui pas mort même si ou pas faire monde rien mais en ce qui me concerne songez bien moi c'est you ministre des finances qui agit dans dossier Petro-Caribé dans 5 ministres des finances qui passaient dans Petro-Caribé parce que sous René Préval tu gain 2 ministres des finances sous Joseph Martelly gain 3 ministres des finances qui passait. Ou d'accord. Dans le premier rapport Petro-Caribé, parce que là, on mettait interdiction de départ, faut me rappeler tout quand même. Il mettait interdiction de départ pour moi. Première fois, on mettait, ça fait peut-être de son plongage, il fait un jeu pour jouer nos bagages. Parce que on a quitté ministre, il a fait enquête sur lui, il faut jouer nos bagages quand même pour marrer. Et comme on dit, on recevait un appel de président de la République, on n'a pas besoin de perdre lui, de Jocelyn Privert, qui dit, il a fini avec moi dans le pays quand même. Il dit ça le 22 février 2016. Il dit ça dans le téléphone. Téléphone à 4h43. Lui, il est dans le téléphone pour, on va dire que t'as dit que, il volait 20 millions de dollars, il était quand même volait 20 millions de dollars pour, on va faire de, au sujet prochain, t'es fait sur la frontière, parce que l'un des premiers mesures contre 23, contre produits qui t'a passé sous frontière, côté l'État, il s'est perdu 400 millions de dollars, et que pas aucun gens pour résoudre lui, nous t'es mettez des forces, sous frontière, et puis, on tirait sous Mounio, plusieurs dans jeunes policiers, on était obligé à l'hôpital, ça a boulé machinio, etc., etc. Et nous t'es, pas aucun gens pour résoudre le problème frontière, parce que, contrebandier, il y a un gros moyen, et il y a les bras longs. Et bien nous prenons une décision de dire, bon, désormais, nous prenons 23 produits qui sont sensibles, qui passent sur le frontière, nous voulons passer par la mer, que nous n'avons pas contrôlé. Et puis, quand on a vu nous bêta, on a abattre. Donc, ça, d'ailleurs, vous songez pas maintenant, c'est une période extrêmement difficile, mais nous prenons mesure. Mais mesure, ça, nous avons levé contre nous, pour nous gommer contre lui. Mais pour mesure, ça a un sens, parce qu'à l'époque, Haïti partageait pratiquement. Et par contre, on est pas songer, mais plus de 100 kilomètres de frontières avec la République dominicaine, peut-être 150, pas songer. Mais on va gagner toute frontière ça avec un pays et pour dire qu'on pas ou pas faire commerce avec lui, ça n'a pas de sens. Ou bien comme si on pas transiter par frontière. Mais problème nous gagne c'est que l'organe des deux côtés dominicains, il y a une infrastructure, il y a des postes côté gain policiers, gain douaniers, gain ensemble de monde qui fait contrôle et puis il y a des équipements là. Alors que nous-mêmes, sur espace vide et puis pas grand rien là. Et puis, qu'on ait doit mettre un agent douanier qui campait son soleil ou bien un petit bout de caille, et puis qui a contrôlé. Pas aucun moyen pour le poulager. Donc, nous avons besoin de construire une infrastructure. Il y a 14 points de frontière pour être construit. Dans le projet que nous avons signé à l'époque, là, il était pour construire toute infrastructure. Donc, FIOM là, tu es censé construire une infrastructure, bail hélicoptère, bail drone, et puis former mon un système de surveillance qui pouvait contrôler les frontières là pour au lieu que on a fait 40 millions de dollars de recettes douanières sur la frontière pour nous passer au moins à 300 millions à 400 millions parce que la différence est saleté. Eh ben ça c'est des premiers gros bagages qui fait que ont été attaqués férocement. Bon, naturellement gouvernement nous t'es passé le cap. Deuxième grosse décision nous t'es pris décision ça c'est me dire non l'un fin prend 23 pour Dieu t'es obligé à le signer ça et puis qu'on a vienne gagner un sénateur qui prend dossier que nous signons on lettre pas un débat on lettre côté une lettre de garantie pour dire firme après le faire construction ça yo et puis on va payer au fur et à mesure. Donc il fait investissement pour en 2 ans et puis on va payer le sous 10 ans on firme israélien c'est ça. Et puis mon tombé jouré il a dit que monsieur volait 20 millions de dollars. Et puis, alors que, la pas de gain copie au bail du tout, son lettre de garantie. Et puis, sénateur, après, la radio, monsieur, couvrit toute radio dans Port-au-Prince pour lui dire que, mais il y a preuve que Wilson Dalou volait 20 millions de dollars. Quand il y a moyen de répondre, il m'a dit, bon, c'est grave parce que monsieur pas comprendre ça l'a dit, et puis, m'expliquer sa lettre de garantie, etc., etc. Et puis, ensuite, il y a dit, oui, il dit, la pide de toute copie, pas gain 5 copies dans le trésor.
moi répondre pour me dire ça, il pas juste, mais ça va là parce que tu moi fait de 1.8 milliard de gouttes, il dit que tu jeune dans caisse, alors que 1.8 milliard de gouttes c'est comme que c'est recette qui de dans DGI, alors que en même temps douane t'es fait 2.2 en tout cas ou bien 3.2 qui devine faire 4 quelques milliards de gouttes qui t'es fait sur les 22 jours du mois. Et puis dans le rapport que tu bail au rapport pour 1.8 que DGI débat, mais pas recette pour douane. Et puis l'homme a information ça pour dire que nous avons 5.7 pour nous dépenser par mois et que c'est 1.8 qu'on ramasse, ou fait tout le monde dans le pays à paniquer, ou dit, l'État prend, c'est la planche à billets, c'est goutte qui parle. Donc, nous t'es obligé, nous dit, non, on y dans l'information, bah, non. Et puis, t'es rien fâché, et puis, il y a une menace féroce qui t'est faite. Et puis, dans le période, ça arrive encore, nous venons à faire bail, ils prennent interdiction de départ, sous tout le monde qui était dans le conseil d'administration de Port de Port-au-Prince. Non, pas de port, de APN. Et APN, c'était conseil d'administration qui gagnait là-dedans, travaux publics, ministère finance, ministère planification, ministère commerce, etc. Et puis, banque centrale là-dedans, tout. Donc, c'est tout le monde, ça, qui m'a mis conseil d'administration, ça, il était mis interdiction de départ pour eux. Et puis, directeur APN, allait devant le commissaire, là, pour le montrer que, ça a incriminé à son contrat, qui pouvait être un film, qui a exploité pour là en bas, son contrat qui signait depuis 2002 sous président Aristide. Et puis, chaque année, c'est renouvelé, mais c'est pas le gouvernement ça qui vient avec. Ils ont levé l'interdiction de départ pour tout le reste de mon conseil d'administration, ils ont mis le pour moi. Le moment de commissaire là, le commissaire a dit c'est pour disparition de dossier et Petro-Caribé. Personne par contre, ça va aller. Si bien que qu'on a demandé pour mal devant le commissaire du gouvernement, on bonne parole en pile à fait. Même par contre, pour qui ça mal devant le conseil, devant le commissaire. Maintenant, avocat, tout l'autre monde dit bien aller devant le conseil, devant le commissaire là, mais, là, t'es venu très pesant. Ça veut dire, n'est-ce pas, il a tellement parlé, même dit, par où qui s'allie, parce que moi-même, je dis, on parle avec vous, Alex, moi, mettez mon au défi de venir avec un dossier, de quelque nature que ce soit, pour montrer que, moi, t'es volontairement font faute. Comme si, pourquoi t'as fait, comme ministre, quand t'as signé un bagage, mais pour venir prouver que t'es font une faute, et que t'es un intérêt, t'as défendre là-dedans. Pour prouver. Et m'a pas l'autre, comme si, m'a pas même de faute, que me faire qui volontaire, pour venir prouver. N'est pas possible. Et que, monsieur, et par rapport à la procédure, je me suis expliqué là, pour moi-même, t'as fait faute, t'as de connivence avec tout le monde, t'as décrit là, yo. Et leur projet, en fait, comprendre, mais leur projet a conçu dans le ministère, mais si finance pas au courant. Son projet qui vient de là, le projet a été dans le là, et c'est l'arrivé devant le ministre, c'est presque une dernière maillon de chaîne, par contre, ça va passer dans ses cuirs. Ministre finance, c'est son caissier lié pour ça. C'est le monde qui est ordonnateur sous budget, c'est le ministère du plan. Mais c'est pas eux-mêmes qui ont incriminé, c'est le ministre finance, là. Et qui ministre finance, c'est moi-même seulement, dans 5 ministres finance qui passaient sous bas là. Et qui sous projet, dans le premier rapport, premier sénateur, la Tortufère, c'est un projet qui était fait par un film qui était pour lutter construire une route qui sortit Soisson pour venir souffrir. Et route ça, contrat fait en 2009-2010. Pour film là, construit 22 kilomètres. Et pour 23,5 millions de dollars, qui a sorti de 60 pour le vin souffrir. Il y a eu un film de 21 millions de dollars. Type là fait relever le nombre de paiements que fait, il y a 10 paiements que fait. Mais il suspecte que il y a eu un paiement qu'a fait par mois, et c'est peut-être ça, nombre dans le rapport là. Et c'est nombre seulement que t'es dans le rapport là. Alors que même surtout, c'est, il y a 10 paiements, il dit qu'il y a eu un paiement, il croit que c'est moi qui fait. Le m'a parlé avec, il dit, mais c'est pas grave, mais où t'es font paiement. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et depuis le Sénégal, dim que M. Volé comme Petro-Caribé. Bon. Moi-même, moi, j'étais attendu pour Petro-Caribé pour me dire, c'est ça pour disculper, parce que, monsieur, mettons, bah, sous d'homme, pas aucun gens pour me défendre d'être, moi. Parce qu'on est qui d'où volé. Qui j'en pour dire, n'est-ce pas volé? Faut le d'où sont volés, après, si n'est-ce d'où le volé dans l'absolu. Ou pas qu'on a rien pour dire. Dit d'où Petro-Caribé, ça veut rien dire. Malgré que mes documents de 15 pages que m'étais publié pour montrer mon yo, que pas aucun gens pour me font des autres dans Petro-Caribé, ça pas rien. Ça n'a pas impliqué tout le reste monde dans ce circuit. Et puis, d'ailleurs, pas comment pour me faire là. Mais, monsieur, malgré tout, il mettait dans le noir. Quand la deuxième commission est venue, je prends page 76, rapport ça. Mais vite, vous pouvez regarder sur Internet si rapport ça toujours là. Mm-hmm. Et rapport Yuri Latortus, page 76, ou après que vous mettez tableau, quand vous dites paiement que faites-vous. Moi, je suis venu montrer, monsieur, que je ne pas qu'à faire paiement ça, parce que dans le paiement que faites-vous, l'homme des ministres n'a pas de paiement, vous faites pour firme. Non seulement si je fais paiement, pas tant il n'y a pas qu'à montrer que je fais faute. Ça veut dire, ministre qui fait paiement, ou ministre finance qui fait paiement, il n'y a pas qu'à dire qu'ils font faute, mais surtout que je ne peux pas même faire paiement. Je vais expliquer ça. Donc, je vais attendre le deuxième rapport. Là. Le deuxième rapport a été fait, il a retiré l'accusation. Il a retiré l'accusation, ça, il a revenu avec une accusation. Mais qui accusation? Il a cité le nombre de rapports à 20 fois. Deux fois là-dedans, il a dit que, trois fois, il a dit que, tu as une telle firme qui vient signer tel contrat avec l'État par après,
Le pour te exister, moun qui te pour signer un document juridique pour te voir dans la presse nationale, c'est ministre commerce, d'alors là, c'est Wilson Lalo. Mais ça, c'est complètement idiot. Parce que ça t'avait dit, tout le monde qui officier d'état civil, faut être mettre dans prison. Parce que tout le monde qui vole, tout le monde qui assassin, y'a bon baptiste. Pour entreprise fonctionner dans le pays, faut le gagner des documents juridiques, faut le gagner un cadre d'identité, un cadre professionnel, faut le gagner ensemble de bagages, c'est ministre commerce, hein, que la loi reconnaît, qui a voué dans la presse nationale. Donc, ça veut dire que c'est traité dans la direction affaires juridiques, mais pour transférer dans la presse nationale, c'est le ministre du commerce qui a le mandat pour le faire. Avant, il faut le passer par ministère du commerce, aller dans la privature, aller dans le palais national. Procédure, ça a été trop longue, et c'est une raison que fait Haïti un mauvais classement dans la question de win business. Donc, pour te carrer du bas, il a cassé l'étape privature, il a cassé l'étape palais national, là, il faut le passer directement par le ministère du commerce qui veut le directement dans la presse nationale. Et puis, il a incriminé pour ça, trois fois. Mais il va pas dire ça me fait seulement dire c'est le pour film ça va t'exister, c'est moi que t'es là. Mais il va pas dire ça pour l'autre entreprise qui t'exister, que l'autre ministre commerce qui t'est autorisé. Maintenant aussi t'es encore 15 autres fois pour dire la résolution Petro Caribe ça va te prendre même monde qui t'es ministre. Il mettait liste tout gouvernement matériel. Naturellement m'étais là tout. Et il va pas accuser tout le monde donc accuser d'ailleurs pas jamais reprocher rien tout d'ailleurs. Seulement il y a besoin pour faire bonne mesure faut mettre nom quelque part là. Et puis, quand c'est l'heure, il vient de conclusion seulement. Quand il y a fini, tu as tout le projet, pas qui côté pour mettre le nom. Il y a tout le projet connecté fait autour de Martelly ou sous Martelly. Il y a mis non film, ça a étudié. Et il y a pas côté pour incriminer. Et il vient de tomber dans la conclusion pour dire certains ministres, dont Wilson Lalo, seraient intervenus, ou bien auraient intervenu auprès du directeur général de BMPAD pour autoriser des décaissements sans résolution Petro-Caribé. Mais ça, c'est le comble, comme si on t'a dit, c'est inouï. Parce que comment l'administration se fait pas écrit, comment un ministre, comment mon café fait un cop décaissé, son simple coup de fil. Dans l'administration publique, c'est pas possible. Et si Mdafel, c'est coupable à ce directeur général là, parce que le directeur général là, t'as vu complètement irresponsable à la limite. Et en tout cas, vraiment, pas t'as mérité pour le directeur général, si t'as qu'à quitter un ministre, il est là téléphone, pour dire, à le fond décaissement. En plus, on dit certains ministres au pluriel, dont Wilson Lalo, et le seul incriminé, c'est Wilson Lalo. C'est ça, oui, on mettait comme accusation. Et si on s'entendait, tout parlant en pilote de Petro-Caribé, donc on dit que je suis instruction, by directeur général BMPAD, non pas moi-même seulement, en pile ministre, mais c'est moi-même qui m'a demandé pour un pégler, qui t'a, et même d'où, un, il n'y a pas qu'à fait, parce que son bail qui t'a fait pas écrit, mais en supposant qu'il n'y a pas fait pas écrit, on t'a réélu sur le téléphone. L'homme est monsieur au téléphone, on suppose que monsieur t'a complètement étourdi et pas responsable, il t'a accepté. Ce qu'il n'est pas. Mais on suppose qu'il t'a accepté. Mais s'il a accepté, il pas qu'à, l'exécution, faut aller dans la banque centrale, parce que comme là, c'est pas, les balles qui aiment nos comptes, non, c'est mon caissier, le guénomel, faut l'écrire banque centrale pour faire un chèque. Ou bien faut que la caille, il y a document quand même pour un chèque qui sorti. Parce que c'est pas un chèque pour paiement, en fait. Faut bien tracer ça. Donc soit faut enquête, faut aller dans dossier comptable, dans BMPAD, pour voir est-ce que t'es un décaissement comme ça, ou bien, on suppose que par extraordinaire, pas t'as gagné ça et que monsieur t'as joué un gouverneur de banque centrale qui pas qu'on a rien du tout, et qui t'as un complet irresponsable et qui t'a foutu d'ailleurs, et que, quand elle t'a dit directeur et t'a dit gouverneur de banque centrale là, font un décaissement pour monsieur pour moi. Mais gouverneur de banque centrale là, monsieur pas gagné, il pas capable on lia ce qu'on liba ou, faut lire qu'on document pour le remettre, moun kap avec comptable, pas décaisser comme ça, mes amis. Donc, c'est ça l'accusation qui a été faite, portée contre moi. Et c'est avec ça où elle m'a subi, toute ma vie, elle m'a subi là, yo. Parce que il y a des règlements de compte, où dit qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec moi. Problème là, c'est depuis le Jovenel est venu candidat, ben, ça a venu commencer. Parce que son, le plus jeune candidat, il y a des gens autour de, à l'interne même, qui étaient tombés jouer, qui disaient moi qu'il ne fallait pas passer, qui disaient moi qu'il a choisi Jovenel. Rien, aucun sens. Et, où remarquez, après, ben, ça a songé, après élection 9 août, un document qui circulait sur Internet. Document, c'est un coup son feuille d'agenda de réunion. T'as un coup, PHTK font réunion. Et dans PHTK, gagné tout le monde qui réunit. Mais on va pas mettre tout le monde qui était là, yo. Sauf que, eux mettaient son forme de papier en tête, qu'on a fait sur ordinateur. Et puis, eux mettaient point à discuter, yo. Et à côté, point, par exemple, eux dit, $3 million de la bid. Et puis, eux marquaient à côté WL. Comme si, ça tapait à la machine. $3 million de la bid tapait à la machine. Et puis, à côté, avec crayon, dans même monde, il écrit à côté WL, OK.
FIDA, 2,5 millions de dollars. Et Mabdo FIDA, c'est son agence internationale d'affaires agriculture. Mm-hmm. Et BID, c'est au compte allié. Et que, 2,5 millions de dollars. WL, OK. Mais WL, OK, a toujours écrit à la main. L'autre a tapé à la machine. Et puis, après ça, on a dit, tant millions de Petro-Caribé. WL, OK. Tant millions, on mettait Jacques Rousseau, on mettait plusieurs autres ministres. Mais ça, le nom contenu, c'est moi-même. Mais ça, mon en fait, les films font bagarre là, comme ça. Après ça, le scanner, les mettait sur les réseaux sociaux. Et puis, c'est un coup, son monde qui était dans une réunion PHTK, que m'était là dans l'île, et que, il prend document ça, le monde ça, mettait document ça online, ça veut dire, moi-même, je t'ai financé PHTK. Donc, toute enquête, ouais, que t'as mené, j'ai besoin de chercher trace de cop que m'était pris de manière illégale pour me payer PHTK. Et, monsieur, fait enquête, il va rajouter, qu'on a eu à bouter sur question Petro-Caribé, et puis, parce que, remarque, il fait des plongées, parce que, il y a des mounes. C'est une question de, comme t'as réglé ça, c'est des mondes qui, pas un thème psychologique là, mais c'est son situation de c'est que yo même yo ouais yo dans place point, yo connaît qui ça que t'as possible, et puis yo assumé que y a pris monsieur quand même, et puis il a go tombé faire enquête sur moi sur tout détail de ma vie privée, et puis yo commence à accuser ma vie libre. Donc vous imaginez qu'on a ouais rapport puis le Caribé a sorti là. Même pas entre, c'est pas moi qui juge, je ne vais pas dire qui est coupable, qui est pas coupable. Mais ça arrive. Ou remarquez le niveau d'accusation que vous faites sur Mounio. Pas d'accusation qui est plus grave que l'autre, mais il y a quand même des mounes que tu as dit, mais 5-10 gros projets que vous avez gérés, ou bien 5-10 projets que vous avez exécutés, mais ça qui est passé là-dedans. Ou pas, j'entends dire, vous avez mis une interdiction de départ pour vous. Ou pas, j'entends dire, vous avez attaqué dans la radio. D'ailleurs, par exemple, citer non dans la radio. Ou pas, j'aimerais vous demander pour vous voir ni bouler bol à caillou, ni bien tirer sur vous. Et pourtant, moi-même. Même d'où m'étais obligé de quitter Haïti, 1er juin, parce que, n'est-ce t'es sorti pour t'éliminer. Donc, est-ce que son affaire Petro-Caribé a réglé, me quitte question pour vous, même bonne histoire là, et où elle me fait exprès, c'est pour les femmes parler, sous barre ça, yo. Par exemple, t'as aimé que moun qui a fait ça, vous venez des réponses, parce que pour vous dire, mais c'est quoi, qu'est-ce qui m'est reproché? Est-ce que moun yo connaît que moi-même, j'ai un cob illégal, même pas aucun problème? Et ça fait qu'on, m'étais parlé sur l'autre radio, en Haïti, et m'étais invité, maintenant des sociétés assis ont besoin de résoudre problème là vraiment, parce que j'ai abordé des questions Petro-Caribé pas qu'à résoudre, parce que quelques il y aurait après de trois mois dans la prison au fait des, mais son bail cap fait dans la injustice là-dedans, parce que me sort d'où comme Petro-Caribé aux gens ont décaissé, c'est sous contrat au fait, et contrat au fait sur la base de prix de marché côté pas de prix de référence assumé. C'est qu'on n'a parlé de prix de référence et qu'on a dit que bah la tessure facturée, mais avant, dans la mesure où protocole de marché respecté, CNMP, c'est CNMP qui est placé par la République, par la Constitution pour dire pour faire mal. CNMP dit marché à bon. Et puis, il y a autorisation pour le faire. Ensuite, CNMP dit le bon, il voit le coup de compte, qui vérifie tout le bagage, coup de compte dit, projet, qu'a exécuté, m'bon, ok. Mais qui sont prêts à le dire après pour, comment le ministre finance pas le compte si projet est surfacturé? M'a pas connu si on route qui devait faire 7,32 m, s'il fait 6 mètres. Mais finance pas les outils pour le SAO. Mais c'est affaire financière à contrôler. Il n'est pas contrôler les travaux techniques, yo. D'accord? Donc, moi, je dis, pour résoudre le problème, ça, vous, parce que vous remarquez, il y a fait accusation, yo, son bail qui fait, on plongaille. Seul, j'en pourrais ça régler, c'est une commission vérité que vous faites en Haïti. Pour chaque monde qui a bien, il y a une famille, il y a madame, il y a un frère, il y a un ami, qui proche, yo, qui fait des transactions avec yo. Pour faire enquête sur vie privée, moun, yo. À regarder qui bien, yo, comment vous faites accumuler bien, ça, yo. Ça au gain, caillou au gain, automobile au gain, comme vous placez à l'étranger, des comme vous mettez sous prête, non. Il y a des gens qui sont spécialistes, qui font enquête ça. Ou recruter des gens qui sont internationalement reconnus, qui sont compétents, faire une enquête sur vie privée, moun, ça. Regardez quand il y a comme vous gagnez, quand il y a bien au gain, combien madame, petite, débarrasse, dépensé des comme, faire enquête ça, et puis tabler pour dire, bon, écoutez, par rapport à comme vous gagnez, comment faire, ou réaliser, comment faire tout bail, ça. Et puis à ce moment-là, mon abaye explication pour nous sortir de ça. Parce que remarquez, les vrais bandits, les vrais fossoyeurs de la République, les vrais voleurs, ils ont caché et ils ont pas vili tout le reste qui est dans le pays. Et moi-même, pas aucun homme, je ne sais pas qui est ce qui vole. Je ne suis pas placé pour me dire ça. Je ne suis pas accusé personne. Je me refuse à faire ça. Mais sauf que, moi, je dis non, pas comme ça. Seul gens pour me laver, c'est pour faire enquête sur tout le monde. Et puis mettre tout son fait sur la table pour dire quand on joue une quoi bouffer là. Et puis le ça, on a prouvé comment le pays a vingé la paix. Parce que là, il est trop facile. Et c'est ça toute l'histoire d'Haïti. Chaque fois, et d'ailleurs, vous remarquez tout, je ne vais pas citer des noms de monde pour pas paraître un peu prétentieux, mais vous remarquez qu'il y a des mondes dans le pays que pays a ciblé. Et Manigadou, son pays de dégénéré. Manigadou, pays a son bande de dégénéré qu'il a dans. Et que, depuis on tête, vle, bagaille, négo coupé, d'avance, pour qu'il fasse homogénéisation par la base. Comme si entre vous là, c'est de ça qu'il s'agit. Et que, tout le monde qui pas, comme si vous pas ensemble avec moi, parce que si vous êtes ensemble avec eux, pas d'abri un scandale.
Si m'étais dans des réseaux, parce que pour ça me pas protéger. Et ça fait même pas besoin de protection ça. J'ai une protection et c'est ça fait comme toujours vivant dans mitan tout. J'ai une protection la plus solide qui soit et c'est ça qui choque tout. Moi crois dans mon Dieu et même j'ai des lignes dans vie. Et pour rester tout ça on a dit ou dit, j'ai des gens qui dit comment me faire vivre, même dit pas comprendre. Pour ça me pas vivre, c'est monde qui a parlé de moi pour pas vivre parce que c'est eux qui ont des comptes à rendre. C'est eux qui ont des veilles casse-croûte dans dos, pas gagner dans dos moi-même. Yo même a dit des bagages c'est pour cap baïter sur bonne conscience. Pour qu'a existé d'ailleurs si t'es nom vinon marque de fabrique vient faire monde vient paraître ou important parce que si t'es nom pas même pas besoin si t'es nom personne moi même donc de ce point de vue là non moi très confortable c'est vrai bon et puis par chance madame moins proche moi madame moins notre travail ensemble avec moi il connaît et puis ça me fait pour le reste je m'en fous oui alors pour en finir au gros regret non pas gros regret pas gros regret moi même penser que gagner peut-être gagner des bails que nous pas nous pouvons faire que nous devons faire. Je n'ai pas aucun regret. En tant que citoyen haïtien, je m'estime que je suis dans le carrefour, je suis des responsabilités pour m'assumer, Moi, je n'ai des regrets dans le sens que peut-être que j'ai des bagages que je dois faire en plus, mais je dois toute attaque que je subis, je dois subir pour des décisions que je prends. Parce que moi-même, c'est vrai que militer à la fin du mandat du président Martelly, pour me dire, président Martelly, où est le volume de bagages qu'on commence? Parce que moi-même, j'ai la prétention de quoi? Que sur les 30 dernières années, les 5 dernières années de Martelly, ça a vu beaucoup de projets se réaliser dans le pays. Maintenant, on a dit, ces projets, ça n'a pas de bon, on a fait l'autre type de projet, etc., etc. Mais, par exemple, qui a dit pas de grand pile, qui t'a fait. C'est pour ça, monsieur, était populaire dans le pays, malgré tout le monde. OK? Grand pile projet fait dans le pays. Maintenant, tout projet, ça a fait là, et puis, ou, mandat, on va le fini. Ouais, mais, pour faire élection, ils font bloquer pendant 5 ans, on va faire élection. Moi, je dis, monsieur, ça qui va arrêter dans l'imaginaire collectif, c'est ça consacré dans la loi. Parlement va pas voter aucun. Okay. Regardez, une loi aussi simple que sur le contrôle de la qualité des produits. Une loi sur la normalisation. Depuis juillet 2012, nous déposons loi ça dans le Parlement. Je dis à vous qu'on votez. Vous croyez que vous n'avez pas parlé d'eux, mais pas de voter. Oh. Alors que là, tout le pays caraïbe, vous venez là, vous avez besoin d'acheter bananes, vous avez besoin d'acheter légumes, vous avez besoin d'Haïti. Première condition, vous avez besoin de voyer mango aux États-Unis, voyer yam, voyer gingembre, n'importe qui a besoin de voyer vendre. Principal problème qu'on va poser, c'est question de problème de contrôle sanitaire et phytosanitaire. Problème de contrôle de qualité de produits. Mais pour loi, ça a passé dans le Parlement. Jusqu'à présent, il n'est pas en priorité pour le parlementaire. Il n'a pas voté, lui. D'accord? Donc, problème, ça, moi, je dis président Martelly, pour même, au finir mandat, et pour finir la beauté, il y a des lois, faut faire passer. Et ce que j'en pouvais faire passer, c'est par décret. Et c'est comme ça qu'il y a des décrets difficiles qui passaient, y compris les décrets sur l'électricité. Je dis, au lieu que c'est l'État qui paye 250 millions de dollars pour le bail, chaque année, pour le subventionner des firmes, qui vendent courant, et que nous rejoignons dans la condition d'abjeunir, qu'on y a ces mounes, ça qu'on paye l'État anti-cob. Parce que mounes, c'est entreprise privée, ou pas le et c'est pas l'État à vendre, tant qu'on compagnie téléphone qui vient en Haïti, yo vend téléphone, yo ne dit Haïti, c'est pas de cash, téléphone. Est-ce que pas qu'un 6.6 millions de téléphones intelligents, 7 millions de téléphones intelligents dans le pays, et puis yo te dit Haïti, c'est pas de cash, téléphone. Diesel vin, il construit pratiquement une plus grosse entreprise en Haïti dans 4-5 ans, parce que il te cible au marché qui est intéressant, et puis t'es gain des demandes. Même pas la balle passer pour l'électricité. De toute façon, ils dépensaient 300 gouttes, 400 gouttes, 500 gouttes par mois pour mettre une lampe, peut-être grida pour bâtir mon étudier pour éclairer la caillou le soir. Si on courant, si on poule pour lui mettre la caillou, tout le monde a payé tranquillement. Donc, l'idée de démocratiser le secteur énergétique, pour aller faire que, il y a plus d'investissements que fait dans le secteur, pour autant que l'État fait travail, parle de régulation. D'abord, que réseau a mis en place. Deux, que normes qui doivent respecter dans le secteur, ils respectent. Ça fait courir à l'Agence nationale pour la régulation du secteur énergétique, l'ANRC, l'y installer depuis novembre, et il commence à travailler. C'est grâce à lui que Gombande de Bayouac a fait là. Donc, travail ça, yo, me paye yo cher. Et c'est pas moi-même seulement que t'es fait, mais c'est, il faut avouer que m'étais ministre, et que c'est moi-même dans le ministère pour Bayouac qui était piloté. Et ça vient de faire que m'pas fait que des amis, dans la société. Ok, on travaille sur ça, on travaille sur question de produits que nous estimons qui pas de bonne qualité, qui a rentré, qui a fait des concurrences déloyales avec pays. Mais tu travailles sur, mais parce que c'est des rôles moi en tant que ministre, parce que sous ministre et puis au dos il y a une grippe aviaire, alors que nous sommes en 2008. T'es gon grippe, qui t'es même, t'es bah, en forme de grippe spongieuse, qui t'es fait que, comme si, qui fait mounio, bah, quoi, il tue mounio, il t'a tué pour l'autant, il t'a tué moun. Là, en 2012, 2013, il y a même grippe, ça qui vient d'éclater. M'pas qu'à connaître si il appartient de moun, si pas appartient de moun, est-ce que c'est, comment t'es réelé, m'pas qu'on est, c'est, qui type de virus t'était, hein.
pas suivant accord OMCO même, un article, pas qu'on chapitre 15 ou chapitre 17, dans accord OMCO qui reconnaît le principe de précaution. Le grand problème qui présente un risque sanitaire sur un pays, premier bagage ou faire ou camper consommation produit pour aller faire enquête pour qu'on ça gagne. L'enquête l'a révélé que le pas gagné. Eh ben, on recommence à consommer. Mais aussi longtemps qu'on pas connaît, obligé de bloquer produit. Même tu es obligé de prendre mesure, mais chaque femme prend, tu es obligé vraiment, c'est presque, sans rasant les murs, comme tu dois marcher dans Port-au-Prince. Parce que c'est compliqué. Parce que, ou un groupe de monde qui pas comprennent que, si on respecte les consommateurs, ils ont fait que, plus monde gagne plus comme dans mes yeux, c'est business par le cas plus grand, parce que c'est déjà un business. Mais, faut permettre que moun yo gen plus kob, que moun yo, que produit yo fè, moun, li kap, yo kap démultiplier le kap vanni, pas seulement ba haïtien, yo kap vanni ba le monde entier. Ça que font pays riche. C'est pas font bagay pour vanni dans le quartier. C'est même pas font bagay pour vanni dans la cour la caillou. C'est pas font bagay pour vanni, dans la commune ou même dans le pays ou là. C'est pour vanni pour, à l'échelle mondiale. C'est tout pays kap riche sous la terre, c'est ça qu'on fait. Des pays tant que la Belgique, 95% de richesse sous la internationale, yo fè. Et puis, des petits pays, tant que Belgique, la Suisse, alga des pays, ça, PIB, c'est à l'international, ils ont fait richesse, et pour qu'il y ait deux, trois mouns qui sont dans le pays d'Haïti, ils ont cherché tout ça qui, de mauvaise qualité dans le pays étranger, puis ils ont redistribué dans Haïti, et ça crée l'entrepreneur. C'est pas ça, l'entrepreneur. Parce que ça, lui-même, c'est des trucs, des trucs population. L'homme, ministre a une responsabilité, ça, obligé d'assumer, et ça vient faire qu'on pas gagner des amis. Donc, moi, c'est des bails, moi, assumé. Donc, de ce moment, je vais pas regretter rien. Mais t'as regretté, c'est si pas de faire, maintenant, il est difficile parce que pas gain moyen malgré mes contre monde ça parce que yo gain radio yo monter sur réseaux sociaux après répéter toute bagaille moi même moi gain mon intégrité pour ma défense et puis les dossiers dans l'administration ça faut remarquer yo gain doit monter tout dossier vous voulez moi pour remarquer tout dossier tombé comme on soufflé parce que dans la pratique nous ne pas gain rien dans mes pour prouver ça dit sous moi yo pas gain rien et comme moi dis principal cible de rapport Petro-Caribe, tout le monde déconnaît, c'était moi-même. Mais quelle est l'accusation que vous avez sous moi? L'homme d'un sénateur qui a fait rapport à qui ça a contre moi, il ne connaît pas. Là, il raconte une histoire. Mais il n'y a pas rien de concret que le doux que le connaît comme fait de manière illégale. D'ailleurs, vous posez sénateur, il y en a des sénateurs, dernier rapport, là, il y a des sénateurs. Pour qui ça? Et c'est seul ministre finance à Okembe ou pas de Kembe l'autre ministre? Il dit au ministre finance, il est difficilement gagné pour, parce que ministre, ça c'est le ministre qui était sous le président Pali. Il dit ministre, ça pas, au ministre finance, en principe, pas gagné pour le gouvernement comme ça. Parce que le pays a gagné deux budgets. Petro-Caribe géré dans le cadre du budget d'investissement. Et le budget d'investissement, c'est le monde qui est compétent pour ordonner ces sujets, c'est le ministre de la Planification. Donc le ministre des Finances n'a rien à dire. C'est ça, on a dit. Mais il va là pour le ministre, ça, mais il va là pour moi, moi-même. Et il pas gêné, il dit ça dans la radio. Et il me semble, parce que qui radio, radio a dit, mais dans le cadre de Russie, on a loué exactement ça quoi c'est. Monsieur dit, l'homme t'est venu devant lui, m'pas de balle de réponse satisfaisante. Bon, à la limite. Comme il était enregistré, bah, là, m'ta bien aimé au passé pour le public. Et puis, m'parle qui question, monsieur, c'est pas un Russe, n'a pas parlé. C'est pas un Chinois, c'est un Créole, n'a pas parlé. Et puis, m'parle qui question, monsieur, t'es posé, là. Et qui s'acte. D'ailleurs, m'pas pour relater ça que t'es dit dans bah, là, mais vraiment. C'est pour montrer que l'homme, si mon a décidé la blencher où, la fait vraiment. Et job pas, c'est quoi? Et puis continuer à faire ça, on pour faire, pas aucun regret pour rien. Si vous avez un regret, c'est aucun regret. Parce que vous attaquez pour rien, vous regrettez que vous faites des abus. Et puis vous n'avez pas jamais joué de moi face au cap défendre, ni mal accusé eux-mêmes. Ouais, toute vieille bisbille qu'a fait là, vous n'avez pas impliqué là-dedans. Il y a des gens qui disent, c'est pas qu'on fait politique, moi, ça sert à rien de faire politique. Si faire politique, c'est détruire le monde, pas qu'à faire politique, ça m'intéresse pas. Je ne vais pas entrer dans ça. Et m'pas pas le goût, mais ni contre moun, ni n'a fait délation contre moun. Et, où qu'on est, dans la position, il y a tout le monde qui a associé, tout le monde qui a entendu, dit, là. Ça m'amuse. Ben, il y a des bagailles. Bon, histoire, je raconte la semaine dernière, mais ben, la telle m'amuse. Moun qui prend décision sur mon bagaille, on l'autre moun vient raconter, que la loi sont mauvais nègres, mais ça la loi fait. Ben, il a gardé, monsieur Kapdil. Et puis, par chance, moi, qu'on troisième moun qui était là. Et qui dit, mais c'est pas possible. Et puis, bah là, et puis, vous expliquez, monsieur, ce qui s'est passé. Alors que, pendant que vous parlez, un pas de compte, pas de décision à prendre. Pas de compte, il y a des discussions sur la fête, non? Mais pour la communauté, c'est moi qui fais. Mais on assume, parce que, vous-même, en tant que citoyen, pas de l'autre pays. C'est ça qui est difficile, là. Pas de l'autre pays, Alex. Pas d'investissement dans l'autre pays. Pas de cas, pas de bien dans l'autre pays. Si je n'ai rien de bagaille que je fais, comme monde, c'est, moi, remets le pays d'Haïti. Ça, c'est vrai. Et vous regardez, folie. Bon, qui ça, m'a investi le peu que m'gagne dans l'équipe football Saint-Louis du Nord. Maintenant, quartier côté mien, des pètes dans la rue, élève l'école. M'a pas aidé autant que m'capable. C'est ça me fait comme moun. Donc, et m'pas fait bruit avec. D'ailleurs, moun a dit que, ben, ou regardez, question, oui, vont côté, à le faire, vous voyez moun a le fait depuis, parce que vous connaissez moun, pas gagne de l'eau potable, etc. M'paye comme, même pas, m'parle non, ni inauguré, ni dit c'est moi qui fais, m'pas jamais de grimace comme ça. Moun a dit que m'pas politicien. Oui, m'pas politicien. Mais c'est pas ça, c'est pas pour ça me défaire, parce que j'ai pas besoin à le candidat dans rien. J'ai pas besoin de voter pour moi dans rien.
Il se trouve que je me retrouve en milieu politique là, mais si tu as une grande possibilité de choisir ça, me dévler, je dis, hein, tant qu'elle fait aux États-Unis, je suis dans l'université, dans l'animé, chef d'université. Ça, qui est exemple, je dis, vraiment, c'est à l'animé, on cher d'économie haïtienne. Parce que tellement qu'on est pays, ça, je dis, moi, je pense qu'il faut me transmettre par les jeunes. Pas seulement écrire un livre, mais il faut mal enseigner dans l'université. Ça, qui intéresse moi-même. Mais sauf que, regardez, jeunes fait aux États-Unis, il y a très peu de pays qui rendent possible. Aux États-Unis, on peut remarquer tantôt négla dans l'université, tantôt là aller là travailler dans des conseils auprès de ministres, auprès de président de la République, ensuite tu tournes dans l'université. Ça faut regarder manuel en dans aux États-Unis, ils ont dominé la planète. Ça veut dire tout le monde a utilisé les manuels américains dans les universités, dans les écoles, parce que c'est des mondes qui non seulement fait l'expérience de la recherche, mais ont fait expérience concrète là sur le terrain et qu'on a je ne défais plus cap. Et souvler et permettre que certains messages passent plus bien et surtout pour interpréter ensemble de faits avec beaucoup plus de précision et de qualité. Donc ça, c'est ça qui intéresse vraiment. Mais en Haïti, c'est compliqué. Ça, le pays, c'est un, en tout cas, c'est compliqué parce que nous avons une population, nous avons une société qui a besoin de travailler sur ça. Faut être état généraux, ce type de questions, ça va permettre de nous poser pour nous dire c'est quoi la qualité d'haïtien? Comment pour nous vivre ensemble? Comment pour nous changer pays pour nous faire que j'en ai grandi là dans le land, nous pas quitter l'aussi mal pour petite nous. C'est ça les grandes questions qui doivent être répondues. Monsieur Wilson Nado, merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment. Et je dis à me parler, c'est pour une fois me parler comme ça. Mais c'est vous-même qui, parce que c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Mais vous poussez vraiment, mais vraiment, vraiment merci. Et puis salut à tout le monde qui a écouté nous.